Jean-Luc Émile. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. La politique reprend ses droits. Depuis dimanche, nous pouvons assister à une poussée de fièvre avec la révocation de Vikram Deuyal, le ministre de l'Agro-Industrie, Philippe Perdis au Marocain ministériel. Les dialys surpris, les choqués, les pas connus qui fait les fines révoquées. Nous fait qu'apprendre, il y a quelques minutes, que le Premier ministre fin Zouenli et cette fin, semble-t-il, d'accord pour pas révéler en public bonne raison. Un ministre de la République qui est révoqué, 48 heures après, ne pas reconnaître la raison officielle, qui d'accord, lié que, donc, Vikram Deuyal fin passé pour pas révéler, nous pas connaître. Mais en tout cas, pourquoi tout bon mauricien qui peut écouter nous ce soir intéressé, connaît pour qui raison un ministre est révoqué. Alors, finina, une guerre ouverte d'un conseil district contre le poulain de Vikram Deuyal fin révoqué il y a quelques semaines de cela à son tour. Ça fin provoque ben agitation dans l'Est. Depuis, un sentiment de malaise fin créé au numéro 10 et ailleurs. Encore, une révocation sur ce présent mandat. C'est un ministre de la cible pour mauvaise gestion. D'autres montrent du doigt demande scandale avec les turbulences qui peuvent secouer le Parti Soleil. Est-ce qui le gouvernement fragilisé? C'est le thème de ce soir. Le Premier ministre, en tout cas, dit qu'il y paraît à toute éventualité, même à une partielle. Le fait que Djali, il y a quelques minutes, Talia nous pourrait écouter lui. Ce ban propos de ces derniers jours diversement commenté. Nous vous faisons le point avec nous ban invité, le député Chakil Mohamed, avec nous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout ban du monde qui peut écouter nous. Bonsoir aussi à nous, de l'autre invité. Donc, qui me zone pour la première fois. Nous pouvons aller écouter aussi Chafik Kosman, qui est politologue, qui pour le Zoom avec nous. Et l'autre invité sur le plateau, Olivier Thomas, membre du régional numéro 20, qui est avec nous. Merci ou avec nous ce soir sur le plateau. Bonsoir Jean-Luc, un plaisir. Ça fait un bout de temps qu'il nous parle de zone et qu'il nous parle de plateau. Et bonsoir aussi à Chakil. Et nous apprécier le calibre qui est en face de moi parce que justement, Chakil souvent mène un débat qui est dépassionné et c'est pour ça qu'il nous l'a ce soir. Oui, bonsoir, ben, auditeur aussi. Merci beaucoup. Ça s'annonce très convivial sur ce plateau ce soir. Donc, nous vous gagnons l'occasion également d'aller écouter Rajesh Bhagwan, et donc député du MMM, qui pourrait intervenir également l'ONU thème de cet après-midi. Voilà donc pour ce plateau. Bon, rappelez-vous, vous pouvez suivre nous en Facebook Live sur la page defimedia.info. Bien entendu, à la radio, vous pouvez poser une question à l'air au 208-4999, 208-5999. Alors, dans quelques minutes, nous pourrons écouter la déclaration qui le chef du gouvernement fait caco dans la presse après donc l'inauguration d'un projet NHDC donc à Côte d'Or. Nous pouvons écouter sur réaction en substance. Donc, Pravin Jugnauth dit qu'il est fin joigne Vikram Deuyal à ce retour au pays et il n'est pas pour révéler ce raison qui fait qu'il fin révoque ce ministre de l'agro-industrie. Ma première question à Olivier Thomas, je me supposais, ou plus avancé que nous. Donc, qui raison Vikram Deuyal fin révoqué? Donc, avant nous, le tout ça, un débat qui fait qu'il est révoqué ou qui fait qu'il quitte le parti jusqu'à présent, nous sommes dans la base même du débat. C'est qu'était une révocation et que ça n'a fini d'être révoqué dans le passé parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a une révocation à l'île Maurice ou d'ailleurs une démission. Nous n'avons aussi chacun au courant de ça dans le passé. Gaëtan Duval qui permet une solette vers Ramgoulam Pair et qui avant justement les capables qui de solette, il finit d'être évoqué. Maintenant, juste Gaëtan Duval, nous finissons Madame Dalou et puis récemment Ivan Glandavelou. Mais il y a une étroite collaboration, une étroite corrélation entre révocation et démission. Nous finissons trouver plusieurs exemples de ben, les autres démissions, comme Lachmina Raidou, Nandu Boda, Roshi Badin, et même démission ben, 11 membres de l'Alliance de 1983 qui n'emmènent justement après à la création du MSM. Donc, quand tu allais là où tu peux commencer, ah, et aussi, si je ne m'ai pas trompé, même nos camarades Chakil qui est ici présent, qui en l'année 2000 démissionné du MSM pour ensuite rejoindre le Labour Party. Donc, laisse-moi finir après, moi, capable, bien sûr, pour gagner l'occasion, pour capable à causer. Donc, au commencement, une cause, le malaise, turbulence, mais on trouvait qu'à travers tout ça, l'exemple qu'ils m'ont donné, le Parti Soleil, il vient encore plus fort à valeur du jour.
Donc, est-ce que le fait qu'une révocation, une démission, est capable d'être un thème pour être utilisé, pour être fragilisé? Moi, je ne pense pas. Suite à l'exemple qu'il m'a donné, et bien sûr, nous pourrons aller sur les faits un peu plus tard, moi, si vous demandez l'occasion pour aller au banc. Bien parce sûr. Que nous pourrions rester au banc de faits. Mais si on vient à Bretagne Lyon, c'est une révocation avec une démission. Pour moi, ce n'est pas la même chose du tout. Une démission est pire qu'une révocation. Penser qu'une révocation est pire que le Premier ministre a décidé pour révoquer un seul ministre, bien qu'il ait fait très très grave et qu'il est 48 heures après, nous toujours pas connu qui faire. Le ministre de la République a été révoqué, donc moi, tout ça encore plus grave. Vous pas connaît. Donc, Chakil Mohamed, est-ce que vous avez une information ou qui fait Vikram Lodial a été révoqué? Non, premier affaire qui m'a fait écouter aujourd'hui, quelqu'un qui est dans. Quoi, membre du MSM qui est devant nous, un jeune qui clairement adhère à la politique du MSM, c'est son droit, c'est son choix. Mais par contre, moi, quand vous pensez, nous faisons Révin Lowe, là, quand il dit que moi, je quitte le MSM pour me rejoindre au Parti travailliste, laisse-nous compare like with like, premièrement, hein, nous pas comparer un SAT avec un lycéen. D'accord. Par contre, nous devons dire, là pour le moment, laisse-moi aussi terminer, pour le moment, nous pécose M. Adoyal qui est un ministre de la République. Première fois, mon finaliste, c'était en 2005, peut-être ou pas au courant. Alors, en 2000, pour qu'il gagne quitte un parti politique parce qu'il m'en explique quoi, qu'il représente le mauricianisme et qu'il me rejoigne moi en 2005 au Parti travailliste, pas en 2000, il y a une grosse différence. Par contre, nous ne sommes pas capables de comparer cela parce que, encore une fois, nous pécose un premier ministre qui nomme un ministre, premièrement, quand nous avons le rôle du président de la République, quand il prête serment au State House, il est payé par l'argent ban contribuable, il siège dans un conseil des ministres, quand il prend un serment pour être au service de la population, et quand un Premier ministre révoque avec autant de force, rapidité, en plein week-end, un ministre sans que le ministre soit à l'île Maurice, sans qu'il n'y ait l'occasion de causer à l'île avant, the speed qui fait la tête tourner, et qui maintenant le Premier ministre vient dire, Mofine révoque l'île, mais mon tombe d'accord, mon papa dire où qui fait. Mais clairement, pour moi, cela démontrait que et il y a quelque chose qui a envie qu'assiette. Si vous n'êtes pas capable de dire nous, c'est qu'il y a quelque chose qui a envie qu'assiette. Est-ce que le Premier ministre a envie qu'assiette une faute que M. Adoyal vient faire de nature criminelle? Je ne connais pas. La population ne connaît pas. C'est dangereux, ça, je veux dire. C'est pas dangereux. Par contre, il est beaucoup plus dangereux de romanticiser, comme notre jeune ami, et de venir penser qu'une démission, c'est égal à une révocation. Ça, c'est, vous pensez, par manque d'expérience ou la volonté de surprotéger le parti politique à qui nous appartenir, nous sortir avec certains propos qui n'ont aucun sens. Alors pour moi, la question qui se pose aujourd'hui, quel est le rôle d'un Premier ministre, quel que soit le parti politique dans qui il y était, travailliste, MSM, MMM, PMSD, whoever it is, quel est le rôle d'un Premier ministre vis-à-vis de la population? Est-ce que le Premier ministre a un devoir de venir dire exactement pourquoi il a révoqué un ministre de la République? Mon réponse, et mon pensée que toute la population pour d'accord à moi, vieux, moins vieux, jeune, moins jeune, qui oui, a un devoir de transparence. Est-ce que le fait que le Premier ministre avait connaissance de cause, dire qu'il n'a pas pour dévoiler la vérité, cela démontrait une faute de sa part? Tout à fait. Est-ce que c'est cachotier? Non. C'est pire. Parce que quand on a un chef de l'État, le chef de l'exécutif, ou pas une personne lambda, ou on a un devoir de ne pas être cachotier, cacher la vérité quand aussi ou payé par l'argent de la République. Par exemple, qui fait Ali Finbizin dire tout du monde qui tient un petit bout de papier pour Ivan Ankolen Davilou? Mais par contre, pour M. Adoyal, il n'est pas dit non, rien. Nous, en tant que Mauriciens qui croient dans un État moderne et non pas dans un État
Vous pas connaître comment notre jeune ami pensait maintenant les médecins m'ont pifo. Justement, c'est plus de spéculation. Permettez-moi terminer. Quand notre jeune ami dit... Laisse-moi terminer, notre jeune ami. Quand notre jeune ami dit que le MSM m'ont pifo quand il fait ça, ben, pour moi, il n'y a pas pire spéculation que ça. Mm-hmm. Alors peut-être, Olivier Thomas, tu dis Moun, dans Maurice, allez à qui il est, quand tout passe, maintenant le numéro 10, allez là, ben Jimoun peut dire, ben, toujours pas connu qui fait le ministre fin d'être évoqué. Ou pas penser à une question légitime. Et comment on répond à ça, Ben Jimoun? Là, tu es là où parle dans le régional, quand Jimoun pose une question, mais qui fait une révoque avec Ramon Lelaki ou Boudjazot? Vous connaissez, premièrement, l'Oban Onde même, le premier ministre fin dit qui. Il n'est pas pour commande dessus parce qu'il y a de Yal, exode, je tenais l'entente. Il faut déconner qui nous oui, système... Olivier Demain, qui est en l'entente avec de Yal. Non, point interrompu là parce qu'il y a pourtant une question à poser. Qui est en l'entente? Non, qui est le premier ministre en l'entente avec de Yal, c'est ce problème. Mon mec aux ententes qui comment Gaëtan Duval tu disais tout le temps ça c'est sous affaire non mais justement c'est pas les Mauriciens nous banoditeurs se posent nous questions justement mon Pévin Lota depuis dimanche on a posé une question qui fait à plus minutes ou deux mois dix minutes pour causer après au fini couplé il part juste ou pas de faire lien envers Charquille ou pas Olivier Thomas vous connaissez ou bien le cas supposé non mais on coupe la conversation right. Donc, nous basons sur le Westminster Model. Le Westminster Model, c'est quoi? C'est qu'il dit à vous, explicitement, que si le premier ministre peut nommer, c'est lui qui nomme, et c'est lui qui est capable de retirer un ministre, right? Donc, si explicitement, il peut dire la confiance de un certain ministre pendant un certain bout de temps, il pourrait évoquer lui. Il est normal parce qu'il... Donc, il peut dire confiance en Yal, là. C'est ce qui, more reading of things... C'est ce qui, moi, m'a pas trouvé. Donc, l'INI peut dire confiance, mais de là à partir sur l'aspect... Est-ce qu'il dit ça? Ça, c'est ce qui, moi, m'a pas dire, m'a fait dire... Mmh. Non, mais comment on peut dire, moi, pas fait spéculation? Non, mais c'est pour ça qu'il m'a pas fait spéculer. Mais on peut dire, elle nous a fait qu'il ou pas dire premier ministre. C'est pour ça qu'il m'a mis en paragraphe, entre parenthèses, pour dire qui, justement... Nous, c'est ma vision des choses. Ça veut dire aussi, on peut arriver à une conclusion mais, sans qu'il prévienne ici, du tout, du tout. Parce que le système est basé comme cela. Le système. Mais bien sûr, parce que si l'innommé l'eau la confiance. Non, il n'est pas nommé l'eau la confiance. C'est ce que le Westminster Model dit. Et nous calquer le Westminster Model. Comme ça, il dit ça. Pour lire après, évidemment, ouais, pour donner au effet, ou pour parvenir à cela. Mais tant qu'il le premier ministre et la confiance d'un Djibouti ni pour nommer, comment n'est plus la confiance et non pas de cause criminelle, comment on peut dire qu'il y a plus de spéculation. Est-ce qu'il y en a ça, moi, comment vous connaissez ça? Moi, pas vous connaissez. Nous aussi, nous pas connaissons. Bien sûr, mais justement, si vous pas connaissez, vous pas dire des choses pareilles à l'antenne parce qu'il est dangereux. Donc, est-ce que les dangereux pour poser des questions, M. Thomas? Les dangereux pour faire une spéculation et pour une mot dans la bouche de Ben ça, les dangereux. Nous, on a le droit de poser des questions. Le premier ministre, lui-même, il répond à la presse. Donc, ce n'est pas à Olivier Thomas de partir développer le banc de spéculation, mais qu'il y a au banc de fait. Banfait qui était. Banfait, c'est avant tout, il y a un ministre qui finit d'être évoqué, qui est protégé par la Constitution. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, selon moi, si on a envie, selon moi, si le Premier ministre répond, moi, je ne peux pas répondre. Non, je ne peux pas justement. Si mon PDIAO, est-ce qu'il est au du MSM ou au courant? Le Banfait du MSM, PDIAO, Olivier Thomas, parce qu'il se proximité avec Navin Ramgoula. Mais est-ce que c'est vrai ça? Mon PDIAO répond. Le Premier ministre dit non, ce n'est pas à cause de cela. C'est ce qu'il ça vient, il y a l'autre chose plus grave, c'est peut-être. C'est ce qu'il dit. Au moins grave. Selon moi, au moins grave. Tout à fait. Donc, c'est un manque de confiance. Un manque de confiance dans le ministre. Mais vous connaissez un jeune comme M. Thomas. Permettez-moi de dire Moi, interrompu chaque moment, nous marquons une courte pause. Nous revenons juste après. Cœur de l'info. La suite dans quelques minutes.
l'info. La suite. Au cœur de l'info ce soir, nous pécose l'eau, la situation politique. Est-ce que le gouvernement est fragilisé avec tout ce qu'il nous peut trouver, nous peut tendre la révocation, hein, sans raison. Nous pas connaître les raisons officielles jusqu'à maintenant. Le Premier ministre Pafin Diali, dans quelques instants, nous pouvons écouter ce dernier déclaration de la question de révocation de Vikram Dayal, où tu peux donc intervenir juste avant la pause, chaque moment, pour dire qui ou penser ou qui le Premier ministre doit nous une explication par rapport à cela. Vous connaissez, écoute, moi peut-être pas fait la leçon à M. Thomas, hein, je comprends qu'il y a une différence d'âge et de vécu. Mais par contre, il y a une affaire qui tout le temps m'a fait admirer avec ou au début de ou engagement social ou politique, c'était au début. C'était simplement qui est capable de dire les choses comme elles sont, les quatre vérités. Alors, pour moi, mon pensée, pour qu'il y ait un débat intéressant à ce sujet, nous sommes capables de mettre de côté notre appartenance politique. Et nous sommes capables de mettre de l'avant le pays. Alors, là, le modèle politique dans qui me croit, moi, c'est que quand on peut payer un dimoun avec l'argent population, ou vin dire nous qui on peut faire pas dans un normal processus de remaniement ministériel. Si un remaniement ministériel, musical chair, ça, un entrée, le talé, ça, qu'un. Ça, c'est pas ça. Mais là, on vise qui ken, on target li. Si on target li, la moindre des choses, un exemple, allons dire que, par exemple, que le travail n'a pas été bien fait. Par exemple. Ça veut dire quelque part, M. Adoyal, possiblement, si c'est ça la raison, pas fin de faire son travail correctement en tant que ministre pendant que tu peux gagner sur l'argent de ministre. Si c'est le cas, quel est le travail qui n'a pas été bien fait? Qui s'en a qui fin souffrir en conséquence de cette incompétence possible? Ou c'est pas cela? Est-ce que c'est pire que cela? Nous, en tant que population, quand nous pouvons contribuer TVA, nous pouvons payer taxes, nous pouvons payer CSG, nous pouvons payer à la pompe, nous pouvons payer, tout nous pouvons payer, tout dépense gouvernement, qui gouvernement peut faire, sorti dans nos postes, la population, nous pouvons avoir droit qu'on est à l'eau. Un simple employé, comme est l'idéo, c'est le droit d'un employeur de hire and fire. Mais, la moindre des choses, c'est que, ou au moins, donne une raison. Otherwise, it's unjustified. Mais moi, plus loin encore. Est-ce que ce n'était pas Pravin Jagnauth lui-même qui se posait en tant que démocrate en 2014 dans la campagne? Quand tu viens ensemble avec Colin Davelou, ensemble avec Anirudh Jagnauth, tu viens dire dans ce programme électoral du MSM, divan, tu galopes, tu peux taper l'estomac, tu peux dire nous quoi dans Freedom of Information? Zodi, ça même Pravin Jagnauth, le temps qu'il gagne le pouvoir, N, il pas amène la loi, l'accès à l'information. Deuxièmement, dans nous figure, dans nous, le débat, c'est l'accès à l'information, mon ami. L'accès à l'information, est-ce que ce n'est pas le devoir d'un Premier ministre de dire à cette population, parce qu'il connaît ça l'arrangement qui est là avec M. Erdoyal, avec Jagnauth là. Il ne fait dans les deux populations, ça. Il n'est pas une fête en présence population, il ne fait dans nous les deux, ça. Et vous connaissez, les temps ban là, il prend ça les temps là, pour discuter, pour tomber ça l'arrangement là. The ministre là, un député peut gagner leurs ans, le temps là, Premier ministre, permettez-moi, et qui ça l'a payé les autres pendant qu'ils ont négocié, ou pas dire nous, pendant qu'ils ont négocié pour rester tranquille, pendant qu'ils ont négocié pour pas dire, qui ça l'a payé les autres salaires, nous, population, toi Mauricien, toi Mauricienne, toi Dimundo Rodrigue, tu peux payer toi. Mais seulement, Lydia, toi, hé, tu connais, tout est possible. Allez, nous pouvons écouter donc Pravin Jagnauth tout de suite sa déclaration qu'il fait faire à la presse, donc à Côte d'Or, et nous vous gagnons l'occasion de réagir juste derrière, Olivier. Le ministre Adoyal m'a dit de ni rendez-vous hier matin, et quand nous gagnons l'occasion de causer, et bon, l'une de moi qui n'a pas pu faire aucun commentaire à médias, ce qui finit d'arriver. Et de ce fait, je respecte ce qu'il vient de dire. Et donc, moi aussi, je ne peux pas faire aucun commentaire à part ce qui est déjà connu du public. Donc, je ne propose pas de rentrer dans ma raison, dans ma détail. Et pour moi, ce qui est important, le travail doit continuer. Parce que, moi, comme je dis toujours, je a beaucoup de travail, je a beaucoup quelque chose à faire. D'ailleurs, je finis. Prendre une décision pour nommer ministre
pour nous capables, chacun assume ses responsabilités. Et donc, pour moi, le travail peut continuer. Ce qui est connu du public, c'est qu'il y a un rapprochement avec le poste travailliste, donc ça finit de prise de décision. Non, je ne vais pas faire commenter. Qui c'est qui est connu du public? À ma connaissance, il n'y a pas de gens le parti travailliste. Non, vous connaissez, il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de cause qui peut circuler, il n'y a pas d'affaires qui peut publier par la presse, qui pas saute ni de moi, et à ce qui me connaît d'ailleurs, pas saute de lui aussi. Donc, parce que si qui lit ou qui lit moi dire quelque chose, monsieur, la presse, vous mettez qui c'est nous qui nous causons. Donc, 48 heures pour la population, vu que. Donc, c'est écrit qui pas vient de nous, en tout cas. Vous pensez c'est un séquel de ce qui nous passait dans le conseil de district Non, mais m'aurait dit encore une fois, je ne pas le rentrer dans mon détail. Décision, c'est qu'il prend, il finit implémenter. Moi, ce qui me concerne, nous, il y a un travail pour faire, moi, je vais concentrer mon travail. Je ne vais pas le rentrer dans différentes raisons, puisque, comment on dit, nous nous joignons. Nous nous joignons, nous nous causons, évidemment, ce qui nous causons. Moi, je dis, ce qui m'a pour dire, lui aussi, il ne fait pas de ce qu'il y a pour dire. Et le fait qu'il y a des. Mon get, par exemple, sa première déclaration qu'il a fait, avant même qu'il y joigne moi, un journaliste, ce qu'ils m'ont trouvé dans vidéo, hein, quand il peut causer, quand il atterrit à l'aéroport, il dit certaines choses. Après, il dit, il bien apprécié le travail que le Premier ministre peut faire, il bien apprécié que le travail que le gouvernement peut faire, et en gros, plus. Donc, de ce fait, les temps d'une joigne, l'étant l'indien, moi, il ne peut pas le faire dans les autres commentaires. Moi aussi, je trouvais qu'il ne peut pas le faire aucun des autres commentaires. Vous ne pensez que la population a un droit connu qui fait une fin révoquée de ministre? Mais moi, ce qui est important, une ministre, une révoquée, oui, une révoquée. Ben, attends, laisse-moi finir. Donc, une révoquée. Mais pour moi, c'est venu du passé. À ce temps, moi, j'ai fini nos ministres, moi, j'ai un travail pour faire. Moi, concentrer, moi, mon travail, je ne peux pas le faire dans une polémique, je ne peux pas le rentrer dans une discussion, dans une raison. Moi, j'ai mon raison. Moi, j'assume pleinement mes responsabilités pour les décisions qui m'ont prend en tant que Premier ministre. Jusqu'à l'heure, là, à l'heure qui nous peut causer. Mais laisse-nous guetter, vous dire moi si, mais laisse pas nous faire arriver, les lames pour dire où qui est dans pour faire. Premier ministre, c'est là où on rencontre hier, aujourd'hui, comment vous avez été opération avec Bécamore de Yann? Il est encore membre de mon parti, jusqu'à ses jours. Donc, mon relation, il y a une relation toujours. Un membre de mon parti à ce jour qu'il est à l'air qui m'a fait causer coup et moi comme leader du parti. Est-ce que vous avez senti que c'est quelqu'un sur le départ quand vous nous avez dit? Non, sur le départ, il n'est pas sur le départ parce que moi je me révoque lui. Donc, est-ce que vous sentez que c'est possiblement pour démissionner? Ah, vous l'avez déjà sur le départ comme ça, vous ne connaissez pas. Moi, je ne peux pas répondre pour lui. Voilà donc la réaction du Premier ministre, une réaction de ou pas cette fois, exactement. Oui, effectivement, et merci. Donc, par rapport à ce qui camarade Jacqueline dit un peu plus bonheur, pour moi, je suis content, ferme l'onglet par ici, parce que selon moi, c'est pas une spéculation, et le Premier ministre par lui-même vient répondre. Mais je suis content, juste faire une autre petite parenthèse pour qu'à cause d'un événement qui vient d'arriver dans le passé. Quand c'est une question parlementaire, quand l'ex-premier ministre il y a une question sur une réserve d'essence qui restait. Et ce jour-là, à juste titre, le premier ministre de l'époque décide pour ne pas révéler certaines informations, pour ne pas faire tout le monde partir vers les stations d'essence et causer un trouble national. Donc, quand nous révoquons un ministre
entre autres, nous avons un devoir. Les pareils ont pris l'essence. Il y en a sa possibilité capable de garder certaines informations qui fait, parce que c'est son prérogative. Donc, lui-même, il répond dans cette lignée-là. Comment moi, membre du parti, je suis capable de répondre à cela, il est plus compliqué ou plus d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous, parce que vous pensez que vous avez une opinion, est-ce que vous pensez, ou en tant que citoyen, ou pas bien connu qui fait un ministre de la République révoqué. Laissez-moi ajouter une autre affaire. Ou pas penser que, numéro N, il y a des affaires. Numéro N, c'est un manque de respect d'un premier ministre envers la population, les citoyens de ce pays, de la République, qui paye lui ce salaire, qui fait lui confiance supposément pour être premier ministre, et it is a two-way street confiance. Pas simplement, moi, me décider en tant qu'un empereur, et je n'ai pas rien à vous dire, et je n'ai pas de compte à rendre. Deuxième élément, est-ce qu'il ou pas penser que c'est un manque de respect vis-à-vis les membres du MSM, et que finalement, les membres du MSM, en tant que citoyens de ce pays, méritent eux aussi, et il y a une explication, ou est-ce qu'il ou penser simplement, c'est parce que, ou on a pas le droit de demander compte à ou leader, simplement parce qu'il y a un risque, ou faire lien en colère, et ou aussi ou révoquer. C'est ça? Écoutez, je n'ai aucune forcément place pour capable d'être évoqué, parce que je ne suis pas encore député. Mais par contre, c'était la même situation de lui. C'est spéculation. Donc moi, je suis content, laisse cela à l'imagination de Shakil Mohamed, parce que c'est que spéculation. Je viens ici sur le plateau, avec le thème, est-ce qu'il peut être fragilisé quand il y a une révocation d'un ministre? Et par rapport à cela, moi, me trouve trois niveaux. Trois niveaux qui nous besoin décortiquer pour capable ensuite connaître ce qui, effectivement, le peut être fragilisé ou pas. Donc, le premier niveau, si vous permettez moi, bien sûr, c'est un niveau national. Donc, ban mandant dans Maurice, en premier lieu, je n'ai pas votre point de député. Right? Ah bon? Mais je vote. Laisse-moi finir. Je vote pour bilan and party. Et jusqu'à présent, le bilan du MSM a été quand même conséquent. Entre l'éducation gratuite au niveau primaire et tertiaire, victoire à ICG, le dossier Chagos, métro express, politique sociale, le développement man la case pour man petit revenu, augmentation salaire minimum, augmentation pension vieillesse, veuve et orphelin, gérance COVID-19, reprise économique après COVID-19, gérance réseau électrique, différents aides aux ban entrepreneurs, au salaire minimum et prêt à taux réduit, etc., etc. Donc, les votes point de bilan, un bilan qui lui a MSM énorme jusqu'à présent. Right? Ensuite, les votes point de premier ministre, et ensuite, les votes pour le député de la circonscription. Voilà, Lord, vous êtes d'accord avec moi, Lord? Non. Moi, pensez une des adresses, alors, moi, respectez cela. Et ensuite, pas venir dire qu'il m'offine déjà dire ça quand moi pas dire ça jamais. D'accord, moi dire moi penser comme dire ça si vous pas dire moi respecter cela. Pas dire ça quand il pas vrai. Selon moi, c'est ces trois les votes avant tout pour un parti et ensuite pour premier ministre et ensuite pour les députés. Ah c'est là toujours au niveau national, nous guetter qu'il est prévu en bas constitution qui c'est premier ministre qui nommé. Et c'est lui aussi qui a prérogative pour capable de destituer un dimon. Oui, nous, là, nous n'avons aucun problème. Donc, nous pécose, est-ce qu'il nous fragilise, toujours, mon ramène-nous oui. le débat, est-ce qu'il nous fragilise le gouvernement? Donc, gouvernement-là, il périsse majorité avec une majorité confortable. Donc, comment le Premier ministre même dire, il finit de voter pour un travail, pour un bilan, et il nous amène sa bilan-là. Donc, ce que vous pouvez dire par rapport à une spéculation, il vient après. Mais, à valeur actuelle, et un bilan, et là, nous une cause au niveau national, mais bien sûr, il y a un niveau au niveau du bureau politique. Par exemple, fini être remplacé par Mme Ramiad, right, honorable Ramiad, et ensuite, nous finissons au niveau régional. Donc, nous devons accepter quand même, parce qu'il nous pécose par rapport à l'évocation Vikram Adoyal, c'est bien ça. Est-ce que le parti a été fragilisé? Nous devons reconnaître que Vikram finit dans l'élection 2014 à peu près 9000 votes. Mmh. Bien d'accord. Donc, à tout à son honneur. Ensuite, il finit président district council et ensuite, il finit sous la bannière du MSM, qui MSM, une PMetli capable, vin un ministre par la suite parce qu'il a la machinerie du parti, etc., qui résout. Vous connaissez par exemple Mohamed comme tu poses indépendant dans numéro 20, qui était différent. Arrêtez là. Ça veut dire que vous pouvez redire, moi, alors, quand il commence, cause. Moi, interrompu parce que la région m'a signé la pub pour le passé. D'accord. Nous revenons juste après. D'accord. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
7 heures passées de 35 minutes, nous l'émission que l'info ce soir nous pécose. Est-ce que le gouvernement est fragilisé avec tout ce qui se passe en ce moment? Rapidement, Jacques, tu as envie de réagir? Rapidement, pour en revenir, quand M. Thomas fin terminé, on rend nous compte, quand on écoute M. Thomas, il fait moi peur pour la nouvelle génération politicienne, mon franc haut. Parce qu'il m'a trouvé avec beaucoup de regrets qui la nouvelle génération qui m'a pensé à un certain moment au point incarné, et après nous, avec Banjo Meilleur pour notre pays, mais n'ont pas et n'ont même la capacité ou le courage pour prendre position sur une question de principe. C'est pas une question de capacité. Ça, c'est mon opinion, pas interrompement. Ça, c'est mon opinion, pas interrompement. Par respect, pas interrompement. Par moment, pas interrompement. Deuxièmement, ce qui me trouve dommage, en fait, c'est que moi, tu peux vraiment avoir confiance quand il y a un jeune qui aspire à être candidat un jour, me penser, ou vers la politique active, bien capable, ou une question de principe, bien dit à nous, est-ce qu'il y pensait que la transparence et le devoir et la confiance que la population en a, et bien en a avec un Premier ministre, veut dire que le Premier ministre est bien capable, au moins, ne pas cacher la raison pour laquelle il est venu révoquer un ministre. Moi, mon pensée, mon clair, là. Mais laisse-nous aussi, guetter les affaires. À chaque fois que Ram Goulam, Premier ministre, fin révoquer un ministre, et finena. Mais à aucun moment, il n'est pas fin cachotier à ce sujet. Il fin fait clair et net, sans équivoque. Voilà qui fait mon fin révocou. Mais il n'est pas fin fait dans les deux ministres, là. Vous connaissez, c'est toute une question de culture et de savoir-vivre. On n'a pas fait dans les deux ministres, là. Il joue un avant, il dit un qui fait, et il fait ce qu'il y a pour faire, mais il n'est pas cassette la raison. Une autre affaire qui vraiment dérange, moi, quand on cause le bilan qui soi-disant le MSM est là. Mais qui fait un djimoun comme ou qui est un zen? Ou qui fait une évite cause dépréciation roupie? Qui fait une évite cause augmentation prix? Qui fait une évite cause tout ça ban scandale qui est dans le ban ministre qui il finisse en non tout? Pas pénal enquête, pénal non rien? Qui fait ou pas cause le taux d'échec pour ban enfants FOM 5? Qui fait ou pas cause le nombre d'enfants qui peut échouer ou peut cause l'éducation? Qui fait ou pas cause nous la vérité, l'eau, le déficit l'année après l'année, l'eau métro léger? Qui fait ou pas cause nous inondation qui métro léger, ce construction fin provoquer et la destruction qui ça fin provoquer pas longtemps et dans le cimetière Saint-Jean? Qui fait ou pas cause tout cela? Vous connaissez, quand nous, là, pour demander un changement de société, M. Thomas, et qui ont envie représente la nouvelle génération. Le minimum qu'ils ont besoin de faire, c'est être juste dans vos propos. Et non pas venir faire comme si M. Pravin Jagnat n'a pas commis d'erreur et que tous ses ministres sont des saintes nitouches. Allez, sorry. Permettez à Olivier Thomas de répondre lui rapidement. Il y a une tête venant le téléphone qui peut effectivement, pas d'un problème. C'est qui l'honorable Shakil Pédier, c'est qui. On peut pas dire le titre honorable ou quoi, appelle-moi Shakil. Hein. C'est que Jacques il peut dire. Bien sûr. C'est qui, Mopane Kozo, c'est un sujet. Mais Mopane vient là, au plateau, pour débattre de ce sujet-là. Mopane dit à où, Mopane Kozo a un point. C'est le point qui, façon, est capable, fragilise le parti de par la révocation de ce ministre-là. Et Mopane dit à où, au niveau national, que ce n'est pas la chose qui peut fragiliser le parti. Mopane vient là par rapport à ce point-là. Donc, pour tenir moi à ce point-là, qui fait, parce que mon vin là par rapport à cela. Mais bien sûr, si nous sommes contents à cause de l'éducation, le métro express nous partage mon avis divers dessus, ça c'est clair, nous pour respecter cela, et bien sûr, nous c'est fait lire de façon dépassionnée, nous pour, là, gagner l'occasion, mais si vous m'invitez-moi. Les fins d'y a l'autre affaire, Jean-Luc, les fins d'y a l'autre affaire aussi, les dire que c'est grâce au MSM que M. Erdoyal fin vin ministre. Vous connaissez, c'est pas un moment de mot, hein. C'est pas un moment de mot. C'est qui m'a fini comprendre ou dire. C'est ce qui on comprend. Ou fini dire que c'est grâce au MSM, à cause de machinerie. C'est pas un moment de mot. Ou fini dire à cause de machinerie. Vous pouvez dire ça en premier. Vous pouvez servir de machinerie. Vous dire en premier, comment on commence. On dit qu'il est fini de gagner 9000 votes. Vous pouvez servir le mot machinerie, mais vous ne dites pas 9000 votes grâce au MSM. Non. D'ailleurs, il gagne 5000 votes plus que le deuxième. Donc, il y a une certaine la force. Ah. C'est ce qui me passe ça même. Et vous ne pas penser que le MSM puisse bénéficier de la force de M. Erdoyal? Ou pas penser que les types honnêtes au moins pour admettre cela? Si ou tu écoutes-moi, ou tu peux comprendre, quand on commence ma phrase par rapport à Bikram, on me dit qu'il n'est pas à blâmer.
Parce qu'il y en a quand même, au commencement, en termes politiques, il commençait avec 9 000 votes, avec son propre parti. On ne peut pas dire avec MSM, là. Hein? On peut dire en son propre parti avant qu'on ait posé. Et ensuite, il vient président du district council, et par la suite, après, avec la machine gouvernementale, il permet de gagner sa quantité que tu besoin pour capable être élu. Voilà. À la base, il y en a une goodwill dans la circonscription. Mais c'est clair, M. Mohamed. Mais est-ce que vous pensez maintenant révoquer quelqu'un qui, Lifin Eli, Lifin gagne 9000 et quelques votes, qui est extrêmement honorable et admirable? Oui. Ou capable d'un adversaire politique, mais moi, au moins le courage de dire ce qui m'a admiré que mon adversaire, lui seul, un self-made man, li fin faire li fin con cause avec ce ban mandant, li fin gagne la confiance tout du monde, mais ou pas penser maintenant, révoque Kiken, laisse le doute planer, et ou pas penser c'est quand ça même pour le faire... Premier ministre, nous peut cause premier ministre du pays. Tout à fait, nous peut cause un premier ministre avec le style de ne pas dire exactement dans la transparence de ce qu'il fin faire. Alors, ou pas penser que Ban Ki-moon qui mandant numéro 10, pas pour en colère, donc, et ça pas pour fragiliser l'électorat. Ça qui m'amène, ne pas écouter le Premier ministre, ne pas réagir sur mon propos, mais j'ai envie de ou réaction au N point. Le Premier ministre retenir dans ce rencontre avec, après ce rencontre plutôt, avec Vikram Oduyal, il dit qu'il finit écoute ce déclaration qu'il vient faire à sa descente d'avion. Et Lydia, il a bien apprécié le travail Premier ministre et gouvernement. Mais vous connaissez qui m'a fait trouver, moi? Mojo. J'ai envie de gauler tuer sa phrase là. Au fait, le dindon de la force dans tout cela, c'est la population mauricienne. Parce que la population mauricienne lit, d'après certaines personnes qui sont les amoureux fous du MSM et qui sont aveuglés par cet amour, nous peine à droit connaître. Une affaire qui est simple, nous tout peut poser nous la question, mais qui fait une révoque. Depuis le week-end, tout le monde dans Maurice peut dire, mais qui n'arrivait? Le ministre lui-même, quand il descend dans l'avion, il dit, qui n'arrivait? Il n'est même pas connu. Alors, finalement, quand on écoute le Premier ministre, il causait, quand on écoute M. Deyal, il causait, mais finalement, clairement, il y a un deal qui nous fait, derrière nous les deux, derrière les deux populations. C'est encore une fois une spéculation. Non, mais clairement, il y a une idée. C'est une idée qu'il y a une lui-même. C'est une spéculation. Non, non, il y a une idée qu'il y a une il finit de dire d'accord. En couper. Privé, pas de la population mauricienne là-bas, ni bonne caméra pour connaître qui je peux causer. Je fin tom, en d'autres mots, un understanding, unwritten, unspoken, qui, mon trouvé, tu n'as pas fini attaque moi, mon papa attaque toi. En d'autres mots. Donc, est-ce que c'est une stratégie de Vikram Oduyal, justement, vient dire qu'il est bien apprécié le Premier ministre, bien apprécié le pour travail? Moi, c'est simple. Et non, pour moi, c'est un tug of war. It is a tug of war. Qui est-ce qui Premier ministre capable de venir ou qui ou bise fait une manière qui ou morse droite? Qui ou capable de venir le Premier ministre? Et qui oublie bien faire une manière libre de droit. C'est un signe de fragiliser le Premier ministre, pas capable de permettre lui de dire donc les raisons qui finissent. Valère Dizou, vous connaissez qui fait le fragiliser? Valère Dizou, si M. Oduyal démissionnait comme parlementaire, qui peut-être M. Thomas pas réalisé, si il démissionnait, le fait même qu'il y ait une si en lui-même fait le fragiliser le gouvernement. Mais le Premier ministre dit qu'il est prêt à toute éventualité. Et précisément qui fait le fragiliser le gouvernement, parce que normalement, le système westminsterien que M. Thomas content faire référence à cela, lui donne le droit au Premier ministre de choisir la dissolution. En tout cas, le système Maurice. En Angleterre, it is a fixed term. Maurice, c'est lui qui décidait dans quand pour une élection, il va dissoudre. Personne pas pour dicter l'ilo là. Mais M. Oduyal, avec le potentiel démissionnaire qu'il est capable d'être, le Prime Minister n'est plus en a l'agenda électoral et le calendrier électoral dans son armée. Parce que une démission de M. Oduyal, c'est ça qui peut dicter le calendrier électoral. Et quand un Premier ministre n'est plus en a le pouvoir de décider d'après ce plan quand pour une élection, parce que finena un nouveau élément finit intervenir potentiellement la démission de M. Oduyal, cela démontre un gouvernement fragilisé parce que le chef de ce gouvernement n'a plus sa l'operational liberty pour décider quand pour une élection ou non. 208-4999, 208-5999, vous êtes bonne question, vous êtes bonne commentaire tout à l'heure. Mais pour marquer un coup de pause, nous pouvons une réaction, Olivier Thomas, juste après.
cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Radio Plus. Radio Plus. Studio pour l'émission de ce soir au cœur de l'info québécoise, la politique, avec bien évidemment la révocation de Vikram Loyal. Est-ce que le gouvernement est fragilisé compte tenu de ben, scandale Kinéna, la situation parfois la pression qui finit monter dans le numéro 10 et un peu ailleurs, ben, député et ben, ministre qui est sous les feux de projecteurs, c'est un peu de ça qui nous peut causer ce soir. Là, on peut écouter un autre intervenant tout de suite, Shafik Ousmane, et qui est avec nous en direct du Canada. Bonsoir. Oui, bonsoir, Jean-Luc. Merci, au Pérez de nous, Shafik Ousmane. Merci à qui, même de loin, vous pouvez suivre la situation politique à Maurice et tout ce qui se passe depuis dimanche. Ou première lecture de la situation? Ouais, tout d'abord, je tiens longtemps à saluer mon camarade Shakil sur le plateau. Ça fait beaucoup banal et mauvais trouble. Et aussi, saluer... Olivier Thomas. Oui, bien sûr. Donc, évidemment, depuis dimanche soir, PC suit, hein, l'actualité, c'était quand même une grande surprise. Et il n'y a pas une situation, comment dire, qui a une lecture très, très nette, très claire. Et la situation en floue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il crée une sorte de mini-séisme, allons dire, et une grosse surprise. Et là, on écoute évidemment la déclaration du Premier ministre qui nous fait faire passer là, il y a quelques minutes. Donc, il paraît que l'écran de Yale, pas pour faire aucune déclaration, pas pour causer publiquement du moins. Et donc, s'entretenir, bien sûr, plus le flou et... il a beaucoup d'arguments, il a beaucoup raisons, entre guillemets, qui ne circulent, le monde des médias sociaux,
dans un échange privé, etc. Donc, tout ça là, l'IPA est, disons, d'une façon très claire et nette, pour comprendre les raisons, mais surtout, pour comprendre direction qui s'apprend. Donc, ça, c'est un petit peu, pas une analyse, mais plus un constat après 48 heures maintenant. Ouais, 48 heures, oui. De sa révocation. Donc, alors, si nous révélons la déclaration que vous faites suivre du Premier ministre, que Didier Poulli, la révocation, c'est du passé. Donc, si on donne la raison, est-ce que le Premier ministre est tenu d'expliquer, de justifier la révocation de son ministre, Jacques Gossman? En principe, oui. En principe, qu'un président, devant les autres États, un président évoque un ministre, ou un Premier ministre évoque un ministre, etc. En principe, même s'il ne l'a pas fait lui personnellement, il a une communication officielle de son bureau, ou de son instance, ou du whatever. Mais nous trouvons évidemment la lettre de la présidence, de la State House, qui est très factuelle et formelle. Et bien sûr, pas qu'on a raison là-dedans. Mais moi, moi pensé, hein, qui politiquement, le pouvoir, pour bien capable de gérer ça dans les jours à venir, parce que du monde, pose question, et du monde, tout bon type pose question qui n'arrivait. Bon, maintenant, il y a une rencontre à haut niveau entre Vikram Adoyal et le Premier ministre. Mais pas qu'on ait évidemment qu'une discuter, qu'une dire, qu'une pas dire. Qui dit aussi qu'il va bien gagner entre eux, pas connaît. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a une affaire qui est temporisée, comment dire. Là, tu es capable se faire éclater et d'affaire temporisée. Et c'est une stratégie. Hein. Donc, c'est une stratégie aussi pour, entre guillemets, pour calmer les choses. Mais dis pas. Un premier ministre dit qu'il y a un droit, disons, on comprend ce qu'il veut dire, c'est qu'il dit qu'il y a un droit, pas dire officiellement qui faire. Le gouvernement a un droit, pas dire, mais seulement, il n'est pas aidé pour la communication. Donc là, à l'heure qui nous peut causer, il y a une rumeur persistante, loin éventuelle démission comme député de Vikram Adoyal. Et nous pécose, ça thème là ce soir, donc, là, est-ce que le gouvernement est fragilisé? Est-ce qu'il y a une éventuelle démission pour venir fragiliser encore plus le gouvernement, Jean-Philippe Haussmann? Ouais, moi, bien écoute la déclaration du Premier ministre, que tu viens de dire, qui, à ce jour, à l'air qu'il peut causer, Vikram Adoyal, toujours membre de son parti, c'est-à-dire membre du MSN. Et mon code des fois, il précise ça, et Dieu les jongles, mon code, le Radio Plus hier. Le Radio Plus, Télé Plus hier, l'India, qui est toujours membre du parti. Donc, ce qui me fait dire enfin, ça c'est ma lecture, hein, c'est qu'il y a une possibilité qu'il n'est plus membre. Donc, bientôt. Et maintenant, il y a plusieurs scénarios. C'est-à-dire, scénario numéro un, c'est qu'il reste un membre du parti. Jusqu'à la fin de la législature, du moins. Et puis, un peu à la Ivan qu'on avait lu. Si vous voulez, quoi qu'il. Oui, c'est pas la même partie, mais disons un petit peu comme ça. Et qui dit pour candidat, il dit pas pour candidat, il aime hier, quand matin, sorti de l'aéroport, il dit qu'il pourrait faire politique pour diverses raisons. Et ça, c'est une option, scénario 1. Maintenant, scénario 2. C'est qui démissionner du MSM, mais il reste comme député, donc ça c'est une option aussi, qui reste au Parlement jusqu'à la fin de la législature aussi, donc ça c'est option 2. Option 3, c'est qu'évidemment, comme on a vu hier, Lindy Bandé, qui démissionne comme député également. S'il démissionne comme député, comme à chaque fois il y a quelques minutes, évidemment, pour bien une élection partielle d'ici 6 mois maximum. Sinon, pour bien sinon possiblement qu'il y a la dissolution même du Parlement. Donc, si disons les députés les démissionnaient comme députés, là nous le 13 février, ça veut dire il ramène nous environ à la mi-août maximum pour bien une élection partielle. Mais mi-août. Élection en principe, il en novembre, dans les alentours du novembre, décembre, pas connu quand, peut-être un
petit peu moins, c'est un petit peu plus, pas connaître. Et donc, il faut vraiment très proche des élections. Donc, faut pas connaître si aucun gouvernement ou par quoi pour gagner des élections. Bon, c'est là quelques mois des élections. Donc, probablement, elle est là capable de gagner la dissolution du Parlement. Et ça permet, si le Premier ministre fait lui, bien sûr, lui permet lui aussi les temps pour gagner des élections. Mais pas oublier, dans les élections passées qui nous gagnaient, ces bonnes élections sont organisées très vite, hein, donc à partir des solutions parlement. Donc, il y a un long temps, comme en 82, etc. Donc, ça, c'est option numéro 3. Donc, comment vous trouvez, il y a plusieurs scénarios, plusieurs options. Maintenant, si vous permettez moi, Mme Goulam dit hier qu'il n'y a pas aucun rapprochement, pas aucune conversation ou whatever avec les crameurs de Yale, comme une rumeur ou comment un message peut passer devant les médias sociaux. Et les crameurs de Yale, comme tout le monde connaît, il y a une base très forte. Donc, il y a à peu près 28% des suffrages exprimés en 2014, dès que ce parti réveille des jeunes. Les types, me corrigez un petit peu d'Olivier Thomas, là, hein, les types président du district council avant. Avant, oui. Il démissionnait, après, il est post-candidat en 2014 avec ce propre parti. Après, il n'est pas élu, bien sûr, il est là, il revient district, le président du district council, après, il a demandé des responsabilités avant, il vient dans 2019, élection avec MSN. Et donc, il y a une base, il y a une personnelle très forte, non seulement au numéro 10, bien sûr, mais aussi au numéro 9, donc 9 et 10. Donc, l'Indie a hier qu'il n'est pas continué à faire politique, donc au parcours, on ne peut pas trop spéculer là, mais disons, s'il continue à faire politique, c'est une dimone qui est capable de reposer le numéro 10 et, ou alors au numéro 9. Maintenant, si Motun Dam Nangolam, il y a un petit peu, entre guillemets, en double guillemets, hein, un petit peu violent, on va dire, Lola, mais tu pensais que tu peux un petit peu plus apaiser Lola, donc il est capable aussi d'une stratégie de récupération, parce qu'il est quand même, il a une base très forte, donc capable, ou bien dire capable d'une stratégie de récupération de la part de l'opposition dans le numéro 10 ou le numéro 9. Et, quand on gagne une dimension comme Bikram Adeyal dans le numéro 9 ou le numéro 10, il est toujours la 7. Il n'est pas maintenant pas connu qui raison, pas connu qui dossier, pas connu qui est non contre lui éventuellement, qui est capable de sortir une campagne électorale, tout ça peut sortir. On reste avec nous, peut-être éventuellement pour Bizin qui est tenu, donc peut-être on veut réagir par rapport à ce qu'avec Ousmane dit. Non, ce qu'ils m'ont apprécié avec Chafik Ousmane, c'est qu'il reste dans les faits. Quand l'in bizin spéculer, l'in spécule légèrement en dehors, il donne différentes options, il reste dans les faits. Donc, merci pour l'intervention, l'eau sa point là, et voilà. Donc, pour nous terminons là, écoute, donc, pena aucun moyen qui sa révocation là, même s'il y a une éventuelle démission, le Premier ministre Fintan Lee, il est prêt à toute éventualité, qui sa vient fragilise donc, le gouvernement en place. Comment mon... expliquer un peu plus bonnet, mon explique au niveau national, ça ne passe. Je ne pense pas qu'il y ait un niveau national, il faut fragiliser en ce moment. Right. Nous nous causons aussi au niveau du bureau politique, un deuxième niveau, et ensuite nous allons au niveau régional, que tu nous disais qu'effectivement, Vikram Dayal a une fausse base de votants et de personnes là-bas, mais c'est quand même la machinerie électorale du MSM qui nous fait gagner sa quantité qui est besoin pour capable venir ensuite député et par la suite ministre. Donc, en connaissance de cause, comment Joe India et l'Oban on nous radio même, le Premier ministre et le parti MSM prêts à toute éventualité. Mais ceci dit, nous finissons aussi écoute le Premier ministre. Le Premier ministre dit qu'il a une cause avec Bikram et Zotin trouve une entente pour capable faire le pays aller plus devant. Et pourquoi pas faire le pays progresser, justement, comme M. Ousmane Tipe dit un peu plus bonnet, nous peinons intérêt à donner l'élection partielle à la veille des élections. Nous peinons un intérêt pour le pays avec cette direction-là. Maintenant, si on est emmené à cela, et nous pouvons faire aller. Why not? Comment le président parti finit dire? À ce stade-là, le MSM l'y ancré. L'y pas là depuis
depuis moi, mon intégré, il l'a depuis des années et des années. Donc, il y en a une base, il y en a une machinerie électorale, il y en a un bilan, comment on dit, on énumère la quantité de bilan, et le peuple vous connaît, qui s'en a les besoins votés, quand les besoins votés, parce que le MSM travaille. Le MSM, fait pour le pays, et nous peut trouver les visuels, les concrets, quand nous allons dans le pays, à travers le pays, nous trouvons concrètement ce qui peut arriver dans le pays. Et évidemment, bien sûr, pour rebondir à ça plus tard, est-ce qu'il y en a, est-ce que tout est parfait? Voici où tu peux répondre, moi, qui mot impartial. Non, les choses ne sont pas parfaites. Dis-nous qui n'est pas parfait. Moi, ce qui m'a fait dire, c'est que... tout n'est pas parfait. Dis-nous qui n'est pas parfait. Les choses ne sont pas parfaites. Si les choses étaient parfaites, moi, pas tipou là. Pas tipou na révocation de Yal. Dis-nous, qui a fait ou penser à MSM peut faire mal. Moi, fait que dis-nous une première affaire, donc ou pas qu'à dicter moi ce qui m'a pu dire. Non, moi, fait des malheurs, si vous n'êtes pas parfait. Mais moi, dis-nous, moi, si tout est parfait, pas tipou na révocation de Yal. Mais le... La révocation est ainsi quand il n'est pas parfait. Pas que comme tous les partis. Finir la révocation d'un parti. Vous pensez pas si besoin de la révocation là. Écoute ça, nous pas l'école. Vous pouvez poser moi une question, vous pouvez répondre nous. Tu besoin de faire différemment. C'est-à-dire révocation, tu besoin de faire différemment par le Premier ministre. Comment vous-même vous connaissez, ou bien knowledgeable dans ce domaine-là, si vous pas et n'a tout bien fait, comment vous pouvez répondre à une question comme ça? Vous pouvez dire que vous avez fait pour moi capable de répondre à cela. En tout cas, merci au Finvin dans le plateau. Non, merci au même Jean-Luc et merci beaucoup, Shakil, pour ce temps-là. Et mon maintenir mon point, c'est que le gouvernement n'est nullement fragilisé. Bien sûr, camarade Vikram, c'est un dîme extraordinaire qui œuvrait pour cette circonscription. Le MSM, le discours va vous changer à la fin de la soirée, parce que les rumeurs persistantes en cours Mon discours pas vous changer. Le discours d'autres personnes, ça, c'est à eux de voir. Bon, c'est en circonstance. Et d'après. Nous attendons la confirmation, parce que bonne information, il disait qu'il peut avoir ce lettre dans quelques secondes. Pour finir, justement, c'est que le MSM a un bilan, et c'est ce bilan-là qui nous pas fragilisé. Merci. Donc, une courte pause rapide pour la synthèse. Nous revenons après, probablement avec une dernière info. Hein, donc, Vikram de Yal, selon une rumeur persistante, il envisage soumettre ce lettre. Donc, nous partons, nous poursuivons sans fil rouge, bien sûr, dans nos émissions. Merci. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On y va pour la synthèse de l'information avec Anoub Douki. Anoub, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Premier ministre Pravin Jugnauth peut exprimer lui après révocation Vikram Duyal. Premier ministre dit qu'il est une zone libre, mais il dit qu'il n'est pas pour faire aucun commentaire. Ce qui est important pour lui, il dit que ses travaux bien continuer. Chef gouvernement dit qu'il y en a sa raison. Il dit qu'il assume pleinement ses responsabilités pour décision qu'il prend en tant que Premier ministre. Pravin Jugnauth peut répondre à une question à la presse. Jeudi après-midi dans Kodo, lié au micro, Émilie Payenne. Le ministre de Yal m'a-t-il donné rendez-vous hier
matin. Et quand nous avons eu l'occasion de causer, bon, l'une de moi qui n'a pas pu faire aucun commentaire à média, ce qui finit d'arriver. De ce fait, je respecte ce qu'il dit. Donc, moi aussi, je ne peux faire aucun commentaire à part ce qui est déjà connu du public. Donc, je ne propose pas de rentrer dans ma raison, dans ma détail. Pour moi, ce qui est important, le travail bien continuer. Comme on a toujours dit, on a beaucoup, beaucoup de travail, on a beaucoup quelque chose à faire. D'ailleurs, on a fini prendre une décision pour nommer ministre, pour nous capables, chacun assume ses responsabilités. Décision, c'est qu'il prend, il finit implémenter. Comme on dit, nous nous joignons. Nous nous devons nous causer, évidemment, ce qui nous causer. Moi, je veux dire ce qui m'a pour dire. Lui aussi, il ne fait pas de ce qu'il y a pour dire. Vous ne pas penser que la population a un droit connu, qui fait une fin révoquer un ministre. Mais moi, ce qui est important, un ministre, il révoqué. Oui, il est révoqué. Mais pour moi, c'est venu du passé. À ce temps, moi, je finis nomme ministre. Moi, j'ai un travail pour faire. Moi, je me concentre sur mon travail. Je ne peux pas faire une polémique. Je ne peux pas rentrer dans une discussion. Je n'ai pas raison. Moi, j'ai une raison. Moi, j'assume pleinement mes responsabilités pour les décisions que je prends en tant que Premier ministre. Deng Infen, deuxième victime, c'est un monsieur 88 ans qui tient à complication la santé, l'itiadmé d'une clinique privée. Ça a intervenu presque 2 semaines après décès d'une habitante Goodlands qui tient à 48 ans à cause d'Eng. À ce jour, Maurice compte 539 cas actifs d'Eng et dans Rodrigue, 173 cas. Le ministère de la Santé indiquait qu'il tout bonne mesure prévention il prend dans l'endroit côté cas et une surveillance accrue au niveau d'un établissement de santé et d'un exercice fumigation qui peut faire public prier pour prendre les précautions nécessaires. Représentant des PPN dépose une motion pour mettre fin à private prosecution intentée contre Premier ministre et ministre Snou. C'était dans la cour pour lui. Jeudi grand matin, Ashraf Nour Mohamed t'y saisit la justice après décès de son frère dans Paille le 15 janvier dernier suite à une inondation. À l'appel de l'affaire, maître Daoudari, une soutenir qui peina ses prêves pour instituer un procès contre sa démembre gouvernement-là. L'inavancée qui a une enquête judiciaire capable d'instituer prochainement. Avocat Ashraf Nour Mohamed, maître Sanjeev Tilakdari, il annonce l'intention contestée décision Bureau des PP pour voir révision judiciaire. Lié au micro, Kevish Luximon. C'est-à-dire, par une raison qui est une avancée par des PP, dont nous parlons la Cour suprême, nous pouvons mettre un judicial review. Faudrait que les Mauriciens connaissent un bon droit et faudrait que soient capables de taper la porte à une Cour de justice quand il y a une violation de ce droit, violation de l'intérêt, ou bien dito contre eux-mêmes, ou bien dito contre la famille. Pas d'un rogue state que des gens capables d'agir en toute impunité. Si vous êtes responsable, ou bien payé. Chaque fois qu'il y a un suspicious death, ou bien un cas accident, et ça, la loi anglais de nous à la loi là. By way of proclamation, chaque fois qu'il y a un accident fatal, un cas, un décès, dans une circonstance tragique, DPP a un devoir initier un judicial inquiry. Ben Ressers peut continuer pour retrouver un PCR mauricien au large Saint-Brandon, l'ITI en compagnie 8 le Tejimoun, le chalutier Mathia, bateau la tiquite pour lui le 7 février dernier. Il constate disparition, sa habitant la capitale la Bonaire Gramatin, Zodi, depuis la semaine dernière, sa bateau la tiquite pour lui. Ben bateau qui t'y prêt, il contacté pour donner l'aide et donner une faire également déplacement Gramatin pour faire opération recherche. Un gardien en prison fin réussit trappe un détenu dans prison Richelieu qui t'y pérode sauvé hier. L'été dans la cour, quand l'inrode sauvé, suspect là fin intercepté près avec un pont dans Richelieu. Dans son interrogatoire, détenu là, il dit que sa famille peut gagner problème et c'est pour ça qu'il l'inrode quitte sa centre pénitentiaire là. Monsieur là fin transfert dans prison Beaubassin. À nous cause, Prosé Métro Express à présent, ben travaux pour station à Pravasigat. Pour commencer, ça l'année là, station là pour construire à côté site patrimoine mondial UNESCO dans Trou-Fanfaron. Ministre des Transports Alain Ganou et CEO Métro Express Limited in fait site visite à Zordi. Pour ministre Alain Ganou, sa station là pour ouvrir la voie pour extension Prosé Métro Express vers les Nord.
Nous consolidons la station de place d'armes parce que nous pouvons faire une base temporaire jusqu'à ce que nous gagnions la permission de l'UNESCO, la base de l'UNESCO maintenant que c'est fait. Donc les travaux pour démarrer pour sa station qui nous a fait visiter là. Et bien sûr, quand nous faisons un projet de telle envergure, d'un endroit, d'une région qui aussi important, aussi mouvementé, et n'a évidemment ben, les autres implications. Nous avons d'abord le track, donc il comprend depuis la station place d'homme et du Pouvigny, à un certain moment, du Pouvigny, un single track, où il nous la station, prêt pour l'avenir, évidemment, c'est à partir de la de place d'homme qu'il le mettra pas dans le nord. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la journée mondiale de la radio. Radio une recette toujours plus près avec public. Sa principale mission, informer, éduquer et divertir. Pour beaucoup d'observateurs, radio reste populaire malgré que les réseaux sociaux inémergés. Déo, avant de terminer, la police russe lance un avis de recherche aujourd'hui contre première ministre estonienne Kaja Kallas. Sa communiqué là n'a pas précisé pour qui faire à Finlande sa avis de recherche là. Voilà pour ce point info, merci aux fines suivent lire et avec nous. L'émission Au cœur de l'info peut continuer avec Jean-Luc Émile et Xoban invité. Prochain point, l'actualité à 19h, zone à l'anglais. Sur Radio Plus, restez connectés à l'actualité en direct. L'actualité en direct. La voix qui vous informe avec passion et précision. Radio Plus, l'info fiable et crédible.
Jean-Luc Émile. Au cœur de l'info ce soir, une minute bien longue en politique. Nous finissons gagner la synthèse. Nous sommes dit qu'il y a une rumeur de la démission de Vikram Indoyal comme député de l'Assemblée nationale. Et c'est confirmé. Les films confirment au Défi Média Group que les films finis envoient ce lettre donc, au speaker de l'Assemblée nationale. Donc Vikram Indoyal n'est plus député à l'ère qui nous peut causer. Les films finis et démissionnés. C'est officiel. Je m'en mets de première réaction. Ma première réaction, c'est qu'il m'a salué le courage du citoyen Indoyal. Le courage, parce que pour moi, clairement, c'était à peine voilé. Quand, pour moi, mon opinion, quand on écoute le Premier ministre, l'est-il pour dans seul intérêt qui, Vikram Indoyal, pas faire plus que ça. En d'autres mots, pas tiré la corde, sinon mon petit tiré la corde. C'était ça, au fait que le Premier ministre Tipérode naviguait. Et aujourd'hui, je comprends avec l'humiliation qu'il est fini de subir de par la façon qu'il a été traité, ban innuendo, ban djimoun fin commence faire ban spéculation, et le Premier ministre fin choisir pour garder un silence autour de ça, et tout cela comme une stratégie politique pour servir l'intérêt politique du MSM. Et me saluer dans tout cela, Andy Moon, qui tout ce monde collègue ministre, ce n'est pas un secret. Mais M. Indoyal fin dit à lui qu'il y a un problème de santé. Quand vous faites ce qu'il fin faire, dans la façon qu'il fin faire ça avec un ministre, connaissant qu'il y a un problème de santé, c'est extrêmement chagrinant. Et tout ce monde collègue ministre connaît qui, non seulement c'était quelqu'un, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui finit souffert pour une raison médicale, qui passe par un moment difficile, mais le Premier ministre finit montrer lui insensible. C'est mon interprétation. Pour moi, c'est mon interprétation, parce que cela ne se fait pas. Parce qu'il y a une bonne. Parce que nous pas oublier quand même. Le Premier ministre disait qu'il y a une bonne. Je comprends qu'il y a une bonne élément qui peut-être nous pénal qu'il est, qui se base sur que le fait qu'il ou même pas causali avant ou faire ça. Il est parti au pays. C'est simple, vous connaissez. Un call téléphone. Un call téléphone, c'est l'été en France. Ou l'ambassadeur là-bas. Ou un WhatsApp. Si vous avez un WhatsApp, servi Imo. Si vous avez un Imo, servi Botim. N'importe quelle façon, vous êtes capable de faire ça. Sinon, servi FaceTime. Nous pouvons gagner notre réaction tout de suite. Rajesh Bhagwan qui est avec nous en ligne, l'autre intervenant de l'émission de ce soir. Rajesh Bhagwan, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Shakil. Bonsoir Adès. Alors, vous pouvez résoudre un moment que la démission de Vikram Indoyal est confirmée, Rajesh Bhagwan. Une réaction? Ben, moi, c'est moi avec Shakil. Hein. Moi, salut son courage. Moi, salut son courage. Et qui, surtout, il ne passe pas un moment extrêmement difficile avant. Donc, c'est un bon Dimoun. Moi, je dis au monde qu'on lit personnellement. En tant qu'il fait ce travail qu'il fait, en tant que conseiller village, président district council et ministre après, chaque fois, il pour associer à moi. C'était le mot un bon du monde. Moi aussi, je suis révolté, comment tout un bon du monde comme ça, comment on écoute lui. Parce qu'en l'homme, quand il est sorti à repos, la façon qu'il nous traite, moi, c'est un coup de poignard dans les deux, hein. Un du monde qui la guerre pour dans une circonscription, les films amènent sous contribution. Et vous allez dire, sans Indoyal, déjà, à part de connaître qui est arrivé, mais il n'est pas gagné dans le numéro 10. Et sous contribution dans l'Est en général. Alors, il dit tout à son honneur. Il y a un du monde blessé. Et vous connaissez dans nous, il y a une dignité, c'est sa dignité. Il montre, vous connaissez beaucoup du monde aujourd'hui, ça, qu'est-ce que vous d'accord, moi? Quand nous faisons ça parlement, nous faisons ça compter, nous te connaissons en haut. C'est même qui me s'arrête, Thomas, par le plateau. Quand nous connaissons, quand nous faisons la guerre, qui a été tiffé dans l'intérieur, comment était la guerre pour une ministre. Comme du coup, je ne sais pas qu'on est qui dit mieux, il y en a là-dedans. Il y en a un qui dit, tout le monde connaît, il attend encore la porte pour le rêver une ministre qui t'y révoquait. Et lui, il fait une pointe plume avec un bout de papier, il envoie sur les deux démissions. Il a tout à son honneur et vos pensées, il crée l'histoire, il peut rentrer dans l'histoire, il y a des gens qui n'ont pas hésité pour démissionner, pour lui, ce dignité de blessé, et il montrait qu'il n'est pas tassé que sa faute,
ministériel. Alors, Radio Bagouane, donc, cette démission, comment le thème cet après-midi nous fait une choisir. Est-ce qu'il fragilise donc, le régime en place? Donc là, une démission qui provoque bien évidemment une parcelle. Si parcelle, il y aura, ça nous pas connaît. Le Premier ministre dit à l'hyper à toute éventualité. Qui ou lecture à où? Faudrait ou pas vivre dans l'île Maurice, c'est des mots pas, ça qui est un vétéran, moi j'ai un petit vétéran, on connaît beaucoup élections, beaucoup gouvernements, beaucoup fin de régime, etc. Faudrait nous pas vivre dans l'île Maurice aujourd'hui pour nous connaître ce gouvernement-là, c'est beaucoup de monde qui s'est dit comme un Titanic peut couler. Hein, il y a un gouvernement de décrépitude, il y a un gouvernement qui les pipe, il y a une grande majorité, et d'ailleurs nous connaissons dans quel pourcentage il y a une élection. Presque 30 et quelques pourcents. Et qui, au fil des mois, au fil d'années, définit plonger dans une situation de non-retour. L'arrogance, corruption, trafic de la drogue, faire peur, dominer, faire peur à la radio, nomination scandaleuse de la police, pour tout le monde qui n'a pas besoin de gagner une promotion automatique, si vous allez, mais de l'éducation faillie. Inchil, mon papa dit ça pour ta molestement. Est-ce qu'au divan de la population Maurice, on dit, est-ce qu'il y connaît que c'est un ministre de l'Environnement? Disparaître l'OMA, pas attendre, et puis voir cacher récemment une inondation, et même dans pollution de rivière Terre Rouge. Alors aujourd'hui, ce gouvernement-là, on n'a pas besoin de. Comme tu disais, monter une montagne, il y a un gouvernement, puis elle finit, et pas une diagne tout seul. Il y croit, les propriétaires de l'île Maurice, contrairement à ce qu'il y croit, à niveau diagne, quand il s'y révoque Dayal. Quand il révoque Fédayal, hein, quand il révoque la Sinaraïdou, quand il révoque Colin Zanala, quand il même il révoque Colin Davidou, fin de demande raison. Alors, nous ne pas de l'eau là, il est perdu l'eau là. Il n'est pas gagnant l'eau là. Il n'est pas pour gagner raison l'eau là. Nous, ça qui la population, aujourd'hui, trouver et constater là un nouveau élément et ça qui nous vient d'y aller. Pas pour une élection passée, nous pourrons déjà une année électorale et là, pour un autre schéma dans l'île Maurice. Et les provinces d'Angleterre, ils font tout officiel dans sa conférence de presse. Ils font des visites, ils vont embêcher. Ils vont sur la télévision, ils vont sur les réseaux culturels. Qui ont l'interprétation qu'on lui dit, Radej Bagouane, il est prêt à toute éventualité, donc il est prêt à faire face. Faisait ça devant la télévision. Au fond, moi, je me dis, on a fait. Au fond, il craquait. Vous connaissez les craquer? Mon cas, il fait les craquer. Depuis l'Alliance travailliste MMM PMSD une concrétisée. Depuis nous l'on le terrain. Depuis nous avons succès de nous rassemblement. Le dernier à Poitiers. Depuis nous travail formidable au Parlement et Maudier, ça qui se en moi. Nous pouvons venir même nous. Mais il connaît que ça, l'Alliance là, il y a une Alliance gagnante. Et voilà, c'est un escalier de couillon. Mais c'est bon, il y a aussi bon information. Les connaît, les poupées d'élection, les peut faire faiser, apporte sur casse, apporte l'argent centrale, l'argent qu'il garde, pour faire campagne. Les fils partout, les situations n'ont pas bon, les fait faiser parce qu'il dit en télévision, les fait faiser quand il fait un petit congrès, de manger, voir, organiser comment il y a dans le numéro d'électorat, les pour faire faiser, juste dans ce bâtiment de réseau, et bientôt peut-être avec ce speaker dans le Parlement. Mais l'autre terrain, MSM, poil de poubelle de l'histoire. Mon service, c'est un mot là faux. Vous connaissez moi, mon dirigeant d'affaires. Mon période de cette élection-là, pas une dixième fois, parce que l'électorat peut demander, et aussi mon parti. Mon père apporte mon contribution pour tirer sa régime MSM-là. Et aujourd'hui, un autre schéma peut dégager dans le pays, une autre situation. La population, mon cher, partout peut causer ça, pas pour bien beaucoup de football qui prenait dans le week-end. Tout le monde pourra de sa mode électorale là. Pas pour une partielle, il peut faire son faisir, il peut aller vers l'élection générale et pays bien sa changement qui est bien important pour l'avenir de nos aînés, pour récompenser pour ce pays tout fait, pays bien respiré. Mm-hmm. Et nous apportons nos contributions pour faire pays respirer. Alors, un dernier mot, Vikram Adoyal, donc nous finissons. Dan Lee, ben MSM peut dire qui se proximité avec post-travail, c'est financé à côté Ramgoulam, c'est ça qui fait provoque sa révocation. Est-ce qu'il, dans sa conjoncture là, qu'il est démissionné, est-ce qu'il y prenait un poids donc, pour sa prochaine échéance là, dans le numéro 10? Non, le fait même la manière de Nazi, on dit, ou quoi, il n'est pas partisan, il dit qu'il est plus indépendant.
en 2014, mon corps, non, en 2014, mm-hmm. il finit dans le temps, il est au terrain, il rend du monde service. Alors, d'accord, on connaît MSM, il nous a fait DTU, Dirty Tech Unit. D'ailleurs, on a une information, tellement on paie, on tient un war room dans Saint-Tresse, il a envoyé ça dans l'hôtel de la littorale de l'ouest, du monde connaît que ça l'hôtel là. Alors, je vous servis de Dirty Unit, je vous servis MBC. MBC, pas pour avoir un député, un démissionné là. MBC pour faire tchac, qui fait une salie du monde là. Ça, c'est MBC, ça. Mais c'est heureusement, il y a une radio, heureusement, il y a encore la presse qui pourra voter, certains la presse, et d'ailleurs, il y a des types menaces la presse même, après, je vous dis, nous, le galoubant des autres, eh bien, je peux faire tout ça que je suis capable pour votre salie du monde là. Nous, nous, il y a des bourgeoises, il y a des mondes religieux, extrêmement religieux, il y a des mondes, connaît, ça, du monde là, il y a où il retourne dans son carreau. Il y a des gens qui vivent sortis dans la terre, ils sont plantés. Il y a des gens qui vivent à terre, il y a des gens qui vivent dans la ville. Après ça, je me dis Jagnat pour venir dire. Est-ce que tu vous souhaitais gagner au sein de l'Alliance de l'opposition, Roger Bagouane? Pardon? Est-ce que tu vous souhaitais gagner au sein de l'Alliance de l'opposition? Comme... Là, on est, nous pas qu'à galoper, etc. On est ça, il fait qu'on va sur l'être, il dit bon courage, félicitations. Moi, pas qu'à répondre, le ça, si j'ai là, ça qui me connaît, Pravin Jagnat, et MSM, ouais. Vous connaissez chiamant, qui appelle Ardouyal, dans le numéro 10 et dans l'Est, il faut connaître son partisan, il faut connaître qui est en colère, mais en tout cas, katakato, tout en autres zazé katakato. Depuis avant nous dire ça, depuis nous venir de Manréon, depuis dans Flak, dans le Sud, ça, élection-là, il faut une élection correction, il faut une élection contre tout le monde qui est écrasé maintenant Ardouyal-ci, pour régler compte. Et que c'est un MSM de Pravin Jagnata. Et Pravin Jagnata, vous connaissez bien que ce mouillon qui dit entier que ce cosmos, Ramgoulam retourne premier ministre. Et il est pas content, il n'est pas content. Ramgoulam pour revenir premier ministre. Ramgoulam, avec son équipe, Péranzé, Dival, Sakil, avec plus de monde qui vont tout lire. Moi, je suis dans l'équipe du MMM. Mais nous pas faire faisir. Nous pas les faire faisir, nous. Mais nous pas pouvoir, nous pas faire un vengeance, mais seulement, il n'a pas Pravin Jagnata, il n'a pas venir rendre compte. Les publicains commencent à connaître ce jour compté, travaillent les consignes larguées, le comédien, on peut dire, comment dire, et nous, la population pour régler son compte, et les pour payer bien cher, ça qu'il vient de faire à sa pays-là, depuis qu'il vient de premier ministre, surtout depuis 2019, mon frère, mon père, rentre là, on a beaucoup causé, les publicains payent un cosmo, les publicains, bon, valium, rassure, dormi. Parce qu'il y a un côté qui connaît le pouvoir pour aller bien vite. Et puis, c'est pas qu'à des bananes, c'est Pravin Jagnata résiste pas moi ou le Premier ministre. Merci papa, beaucoup, Rajesh Bhagwan. Il n'y a pas ce craché dans le bâtiment de région. Merci beaucoup, l'intervention, Rajesh Bhagwan. Et donc, vous aurez la réaction par rapport à. Je me rappelle aussi, vous pouvez prendre l'antenne. Vikram Adoyal a déjà démissionné comme donc, député de l'Assemblée nationale. Il finit d'envoyer cela cet après-midi. Et l'information a été confirmée par Vikram Adoyal lui-même au Défi Média Group. Nous manquons une courte pause, nous retournons juste après. Nous pouvons bien sûr terminer cette émission-là, ça a bien dernier développement qui fait intervenir. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes.
de l'info. La suite. Retour sur le plateau cet après-midi, développement politique avec la démission de Vikram Oudeyal de l'Assemblée nationale. L'IFIN avoué ce lait à l'Assemblée. L'IFIN confirme nous, l'IFIN Média, qu'il finit démissionner. Et donc, tout cela, Pévin, redistribuer les cotes, et là, nous pédialide dans l'introduction de l'émission-là, finit là quand même, elle est effervescence. Shakil Mohamed, d'un numéro 10, dans l'est du pays, pour ricocher. Mais là, il peut prendre un emploi national avec cette démission. Comment elle est là, où tu peux dire, qui n'a pas précipite donc, les choses par rapport à le calendrier électoral. Dans la vie, nous avons assez l'expérience pour qu'il nous vienne dire sans aucune hésitation que nous pouvons vivre le dernier moment du gouvernement MSM. Un changement en profondeur, il commence à opérer et pour prendre place dans les quelques temps qui viennent. Et comme au fin d'y est allé là, que il y a une situation que le gouvernement est fragilisé, je dis ça en connaissance des causes. Monsieur Oudeyal, pas tient encore démissionné. Mais c'est pas l'expérience politique qui m'a dit ce qu'il m'a dit. Et voilà, qui n'arrivait, il finit démissionner. Et non seulement sa démission-là clairement fragilise le gouvernement en place, et il confirmait qu'il y a une déroute et qu'il a perdu l'élection dans l'Est, ça c'est sûr, et dans les autres circonscriptions. Mais il est clair aujourd'hui que le Premier ministre, en tant que chef de l'État, chef de l'exécutif, normalement, un Premier ministre, bizarre, il a le contrôle de l'agenda électoral. Ça veut dire, lui qui décidait quand pour dissoudre le Parlement, quand pour une élection. Mais le Premier ministre n'est plus, il a sa contrôle là. T'allais là, moi, tu peux dire, c'était une possibilité, mais aujourd'hui, il y a une confirmation. Vous connaissez dans la politique, ben là, dire, oh, one day is a long time. À l'époque, ça te camboulait, tu peux dire ça longtemps. Mais vous connaissez avec l'évolution, le monde de la communication, comment les choses ont évolué, one second is a long time. Oui, avant la pause pub, nous pas encore. Voilà. Alors aujourd'hui, vous connaissez, quand qui fait mon dire, oh, que le gouvernement là encore fragilisé. Et ça pour hante le Premier ministre Pravin Jagnat. N'importe qui Premier ministre, n'importe qui politicien qui montre lui arrogant dans sa méthode de travail, qui par exemple n'a pas reconnaître qu'il y en a un compte pour rendre la population, simplement en disant à la population la raison qui fait qu'elle révoque un ministre. Si un dimoun public, après toutes ces années d'expérience, pas reconnaître qu'il s'assène les rares, et qui, sur l'arrogance, permet de continuer dans sa lignée-là. Et que ce ban partisan obligé retrouve vous dans une situation de silence. Quand bizarre, comment dire, God silence, pas commande contre Pravin Jagnat, laisse Pravin Jagnat rouler comme un empéré. Mais là, il est grave. Laisse-moi drôle le parallèle avec ce qui est arrivé récemment. Quand un ministre, Alain, l'autre scandale encore, et Premier ministre Pravin Jagnat, pas comme ça du tout. Un ministre et une allégation contre lui, M. Andjiv. Il y a une allégation qui, un agent, coltor MSM dire ou fin vin côte moi avec la police ou ban bodyguard ou fin bat moi. Écoute, il dit ça. Il fait déclaration à la police. C'est une affaire grave, ça. Côte ban jimoun qui, ban policier, qui supposé en a protection publique. Votre responsabilité. Vin bat kiken, ensemble avec un ministre. Non, ça, c'est une allégation. C'est une allégation. Mais c'est une allégation sérieuse, ça ne veut pas dire plus que ça. Quand même, c'est une allégation. Quelle est alors l'obligation de la police? D'enquêter. Avant même qu'il commence à faire l'enquête, le méchant garçon vini, il vient dire où? Bye Andjiv, bye Tilak. C'est ban bon Jimoun. Moi, pas trop comprendre, moi. Excusez-moi, il me disait que c'est l'opposition. C'est l'opposition, ça ne coûte pas. Ça veut dire, allô, il y a des éléments là-dedans. Premièrement, déclaration qu'il est donnée fausse. Si déclaration qu'il est fin donnée fausse, c'est une offense d'après la loi. Qui fait la police pas n'arrête-les? Et où, ministre,
ou connaît l'une de fausse déclaration contre tout, ou assise à côté en lit, et ou fait un grand sourire, ou peut content qu'il soit disant l'opposition qui ne fait ça, mais la police, s'il y pense, l'opposition qui ne fait ça, et que la police est dans sa déclaration-là. Pose-vous la question. Qui fait la police pas n'arrête ça du monde là et dit lui, à la il a ou peut faire une fausse déclaration contre un ministre de la République, bizarre et tout? Qui fait pas ne faire ça? Ou est-ce que c'est une autre méthodologie pour garder silence, faire une manière de pas causer? Les là dit bye Andjiv, bye Tilak. Est-ce qu'il peut redire ban là ban bye? Ou est-ce qu'il peut redire qui ban là ban frère? Moi pas connais. Nous pouvons retourner donc au stand-up par Zoom. Nous retrouvons Chafik Osman pour une intervention. Donc Chafik Osman, tu es là quand tu peux causer, tu es encore dans la spéculation et l'éventuelle démission. Maintenant, c'est fait. Donc, est-ce que les cordes sont brouillées à nouveau? Oui, effectivement, avant la pause, pour dire, tu peux évoquer trois scénarios possibles. Donc, des scénarios, là, c'est strictement le. Donc, forcément, donc, s'il a démissionné, légalement parlant, pour besoin d'une élection partielle d'ici 6 mois, et comme on se fait dire, bien, t'allais là, donc on ne pas trouver aucun gouvernement, aucun premier ministre pour organiser une élection partielle à quelques mois des élections. Donc, effectivement, le timeline, si nous pas dire, des élections générales de cette année, il est un petit peu plus précisé, allons dire, un petit peu plus serré avec cette démission-là, d'une part. Mais d'autre part, ne pas connaît, parce qu'hier, Vikram Dhyal, à sa descente d'avion, il me dit qu'il lui paraît de faire politique à cause de sa santé, mais pour d'autres raisons, concentrer les plus sur le social et sur mon activité professionnelle. Donc, s'il continue à faire politique, est-ce qu'il peut faire lui de manière, entre guillemets, indépendante ou avec particularité en 2014? Ou alors l'opposition, comme dit l'opposition, c'est surtout post-travailliste, PMSD, MEM, pour c'est Gaëli dans le giron pour les prochaines élections. Et s'il n'est pas pour faire politique, il est pour pratiquement un non-event, c'est-à-dire il n'est pas pour présenter ni un danger pour le gouvernement actuel, ni une opportunité pour l'opposition actuelle. Comme dire, l'opposition, c'est toujours l'opposition, the main opposition, hein, qui m'a permis de dire. Et donc, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'alliance gouvernementale, du moins, il y a un gros travail maintenant qu'ils ont besoin de faire à l'est du pays, dans le numéro 9 et 10, parce que du monde qui a le plus de poids de sa région du pays-là, inhalé. Et bon, par contre, maintenant, Jean-Luc, ou qui bizarre, peut-être confirme ça après, est-ce qu'il peut démissionner du parti? Il n'est pas encore démissionné du parti. Ouais, donc il n'est pas encore démissionné du parti. Mais Chafik Osman, une question qui peut vous poser aux autres qui peuvent écouter nous ce soir, est-ce que ça risquait un effet de contagion maintenant, donc quand il peut cause affaiblissement, qu'on fragilise, et de l'ensemble du pays, parce qu'il. Et donc là, nous, à très près de l'échéance électorale, N partiel, est-ce qu'il peut y aller, est-ce qu'il peut prendre le risque d'une N partiel avant une élection générale? Certains disent non, mais où qui l'ait fait cette démission de ce soir pourrait avoir donc, sur l'échiquier politique de manière nationale? Oui, c'est une très bonne question, même une question centrale, parce que, comme on connaît, l'alliance gouvernementale, surtout le MSM, il y a ce power base dans ma région rurale, c'est plus ou moins connu. Et de toujours, ça a été de toujours comme ça. Et nous trouvons en 2014 et aussi en 2019 qui, d'ailleurs, Jean-Luc, puisque me le radio plus, me gradé, c'est moi qui t'ai premier du monde dans la campagne de 2014, tu peux cause, ça l'est fait, à l'époque, tu peux cause 5 ou 13. Donc, j'ai un petit bout numéro 4, un petit bout numéro 14. C'est-à-dire nous prenons les, disons, depuis Vallée des Prêtres, depuis Congoma, nous allons jusqu'à Baie du Cap, là, c'est ça qui est un électorat décisif, c'est là. Hein. Donc, par rapport au système électoral qui est dans la Maurice, par rapport au système élection qui est dans la Maurice, lit comme ça, c'est ça l'électorat-là qui décide du gouvernement du jour. Donc, et le MSM, sur la force, il est là-dedans. Donc, maintenant, aussi important que Vikram Dhyal à l'Est qui est avec, mon Dieu, moi, pas connaît, si pas, il pourrait rester un MSM ou pas,
Mais en tout cas, c'est sûr que l'agence gouvernementale pour bien refaire ses résoudre ce bon code dans l'Est. Maintenant, concernant l'opposition, vous ne pouvez pas connaître, tout est encore très flou. Est-ce qu'il n'a Angoulême pour dans le numéro 10? Est-ce qu'il pour Révin dans le numéro 5? Sans Wigram Deyal, évidemment, ça va être beaucoup plus facile, à mon avis, pour Namin Angoulême, à ce jour, hein, pas connecté, ça va arriver 6 mois, 7 mois, et il paraît. Est-ce que l'opposition, si je gagne Wigram Deyal, pour pousser plus vers le numéro 9, tout cela, c'est une option et c'est une possibilité. Mais une question centrale, quand même, au bien dire, Jean-Luc, c'est comment chacun peut dire, la population est en droit de savoir qui fait avec un modèle irrévocable, mais mon pense, écoutez l'opposition aussi, il n'y a pas autant le peuple, parce que Mme Lamblin peut présenter comme le futur Premier ministre alternatif. Donc, il n'y a pas autant de nous connaître, côté vous poser, parce que ça, c'est une question quand même très, très importante, une PDI en numéro 5 en 2014, une PDI au numéro 10 en 2019. Donc, moi, comme un analyste, comme un observateur, il y a pour autant, disons, qui nous connaît, peut-être Namnambulam, pour situer, pour poser, pardon, dans la prochaine élection. Peut-être maintenant, la voie est plus libre au numéro 10 pour qu'il lui reste là-bas, par connaître. Mais ce qui est sûr, et chacun est d'accord avec moi, c'est qu'ils sont capables de dire si Namnambulam envie une circonscription que si elle est élue, pénant comme on nous dit, et banqueur d'élu, il est besoin de numéro 2, par exemple. Ça, c'est si elle est élue. Il est élu en tête de liste, en tête de liste. Et numéro 3 aussi, bien sûr, s'il posait numéro 3, il peut être élu très, très facilement. Donc, mais numéro 10 paraît maintenant, paraît, moi bien dire, hein, ben, de faire qu'à 100, mais paraît plus facile maintenant, plus libre. Donc, ça, c'est important pour que la redistribution des cotes, qui pas seulement côté l'agence gouvernementale, mais aussi côté l'opposition. Et vous pensez, l'opposition, pour bien réfléchir bien aussi, qui code vous posez justement dans le numéro 9, hein, parce que numéro 9 et numéro 10, c'est bonne base de Vikram. Donc, comment vous dire, même sa démission-là, dit quand même, maintenant comme député, il n'a plus son importance. Comme ministre, ok, c'est une étape, mais comme député, il n'a plus son importance doublée. Et il est capable, il est capable, il a une brèche, entre guillemets, dans la stratégie. De l'alliance gouvernementale, du moins dans l'Est. Donc, je vous bien préparer pour ça, régler ça. Et bon, on me dit, oui, dépend qui l'opposition aussi pour faire dans sa région du pays, là. Bien. Merci beaucoup, Chavik Haussmann, pour l'intervention dans l'émission de ce soir. Merci beaucoup. Allez, un mot rapide, Chavik Mohamed, l'intervention là, et nous pourrons le retrouver, Kouchal Lebine, dans quelques instants. La chance, quand même, quand l'UPECOS, Dr. Namin Goulam, le leader du Parti travailliste, rends-nous compte, comment nous dire, 1 seconde is a long time in politics. Et vous connaissez, aujourd'hui, il est clair que l'ENA a un embarras du choix, au fait. Le Premier ministre, le former Prime Minister, il est capable, dans plusieurs circonscriptions, pour se faire élire. Ce n'est pas un problème, au fait, que ce soit au numéro 5 ou au numéro 10, et comment vous entendez, ou même Enfin, dans les autres circonscriptions. c'est pas un Moi, problème. du monde qui reste dans le Nord, et me connaît que beaucoup du monde dans le numéro 5 ont envie qu'il vienne là-bas. Me rouler, me virer, me tourner dans le numéro 5, me connaît. Me connaît numéro 10 aussi, vraiment bien, me connaît beaucoup envie qu'il vienne là-bas. Mais l'importance maintenant, c'est de réaliser que clairement, comment me dire, l'IPO être élu, ça, c'est pas un issue. Mais le issue, au fait, le issue, c'est que, premièrement, moi, je suis content, moi, souhaite bon rétablissement à M. Adoyal, parce qu'il parfois nous est capable de prendre recul et qui nous pas simplement faire le tout, vine une chose politique. Parce que, clairement, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui pas bien, qui, ce bon collègue, connaît qu'il y pâtit bien, qu'il y fait souffert à cause de problèmes de santé, et psychologiquement, émotionnellement, clairement, quand nous guette M. Adoyal, la façon que le Premier ministre fin traite lui, la façon que ce bon collègue fin tourne les deux envers lui. La façon que ce bon collègue qui fin, soi-disant, bon brothers in arms, fin trahir sa brotherhood-là.
à cause Premier ministre fin décide, bon Dieu connaît pour qui raison, fire him, dans la façon qu'il fin faire, mon guetan du monde, clairement émotionnel et émotionné en l'homme. Et aujourd'hui, pour moi, c'est pas qui l'y pour faire politiquement qui me pour commenter là. Moi, c'est les affaires qui me tient content d'y parce que nous tous, me penser, nous prier que M. Erdoyal se remet de ses problèmes de santé. Mm-hmm. C'est ça ma priorité, moi. Parce que vous connaissez la culture. Et moi, mon père, moi, je dis ça, moi, tu peux causer ça avec un man senior council, t'allais là avant Movin Low émission. Vous connaissez le parti travail, c'est mon père, moi, je dis ça avec beaucoup de vérité. C'est que Movin remarque quelque chose, c'est que nous avons de l'humanisme dans nos façons de faire les choses. Et pour nous, tout n'est pas la politique, là. Là, pour moi, c'est this is not the way you should have done things, Mr. Jagnat. And let us pray que M. Erdoyal il se remet, nous prier que ce soit une famille aussi qui ait un courage pour qu'il se remette du traumatisme qu'il finit par y traverser, devant un problème de santé. Et c'est quelqu'un qui, clairement, mon M. Bagwan finit dire, c'est un bon dimoun. Vous connaissez en tant qu'un ministre, qu'il y... et là les autres aussi, on va vous prendre les autres noms dans le gouvernement, parce que quand vous êtes cause avec un membre de l'opposition, les autres pères qui sont révoqués. Mais mon capable de dire où être un gentleman, M. Erdoyal, l'est. Être un gentleman, il y a d'autres ministres qui le sont. Mais aujourd'hui, la leçon que M. Erdoyal donne au député Colin Davelou, elle est énorme. M. Erdoyal, il démontrait où qu'il n'est pas attaché de façon aveugle et ne pense pas à ses intérêts. Mais par contre, M. Colin Davelou, encore, peut attendre pour qu'il y revienne ministre. Nous allons en direction du Standard, là avec nous Kouchal Lobine, donc du PMSD. Pour la première réaction après cette démission, Kouchal Lobine. Bonsoir, bonsoir. Luc, bonsoir mon collègue et frère Shakil, et bonsoir le représentant du gouvernement et du MSM, M. Thomas. Non, il n'est plus avec nous, il nous a allé à cause d'un comité régional. Oui. Ah là là, il finit à aller tout. Ok, oui, urgent. Comité régional extrêmement urgent parce que, première réaction, Premier ministre, Zodi, l'inépli est dans tout ce bon agenda dans l'armée qui, légalement, est capable de faire l'élection 2025. Donc, il finit. Sa stratégie, là, il finit. Nous devons préparer une nouvelle élection générale août, septembre ou novembre au plus tard. Donc, ça compte là, l'inépli dans l'armée, Premier ministre. Chacun l'indien explique ça. Je suis certain, si nos camarades de Erdoyal démissionnés, les fins démissionnés, tout à son honneur. Et nous, au sein du PMS, de nous saluer le courage de Erdoyal. Nous connaissons, Erdoyal, c'est un très bon ami à moi, petit avocat dans un passé pas trop lointain, politiquement s'établir sur le business. C'est un dimoun extraordinaire, c'est un gentil homme, et moi-même, parlement, malgré qu'il me donne l'opposition, l'ex-ministre, quand il finit faire son travail, petit saluer lui à plusieurs reprises, officiellement et en public. Donc, nous devons reconnaître la leçon de Gall à M. Colin Davelou, le senior counsel, qui est révoqué, il continue à suivre dans le gouvernement, l'auban backbencher et faire l'éloge du Premier ministre et du gouvernement. Donc, la leçon de Gall aujourd'hui montre que quelque part, il finit un débat parlementaire nouveau, pareil comme moi, nouveau dans le Parlement en 2019, qui nous amène un petit lettre de noblesse dans la chose politique. Donc, il finit être révoqué pour une raison qui n'est pas coordonnée. Il finit descendre dans l'avion, il finit trouver émotionnellement comment la personne s'était. Et tout à son honneur, il finit dans la décence, joindre le Premier ministre, il écoute ses explications. Et il finit prendre ses décisions en son âme et conscience pour retourner MSM ce ticket, retourner MSM ce poste député qu'il finit gagner. Mais aussi, Zodi, moi, j'ai un mot spécial aussi pour sa bande camarade. Dans numéro 10, numéro 9, Vikram Erdoyal, qui aujourd'hui, le MSM est capable de faire un PSC numéro 9, numéro 10, où il a salué Vikram Erdoyal. Donc, ça a mis 4 à 14 ans, mais déjà, j'ai dit le radio, il a cassé depuis longtemps ça. C'est une propagande, une massive propagande, 4 à 14 MSM pour n'est plus énant. N'est plus énant, il faut trouver comment tu es arrivé dans le conseil district flat. Mm-hmm. Donc, les jours du gouvernement MSM l'y comptait. Donc, on vous trouve plusieurs tiraillements qui pourraient dans l'intérieur. Là, même, il y a beaucoup de ministres qui ont bien calculé. Mais qui vous fait après, là? Parce que les séances-là, ils peuvent venir à une vitesse qui peut rapprocher rapidement. Donc,
le, au sein du PMSD, dans l'Alliance travailliste MMM-PMSD, nous serons si Lubizin commence à s'élire, propose un projet de société aux Mauriciens, nous pouvons travailler là-dessus. Les Mauriciens ont envie de connaître qui changement pour amener, qui vous donner. Donc, avec une équipe qui nous désigne au sein du Parlement, car qu'il même à plusieurs reprises, finalement, l'idée innovante, lui pour assumer les responsabilités, parce qu'il peut être appelé à assumer la responsabilité pour une nouvelle île Maurice dans les quelques mois à venir. Alors justement, quelques mois à venir, Kouchal Lobine, le calendrier électoral, l'agenda électoral même est bousculé. Est-ce que vous pensez nous pouvoir... Le Premier ministre peut dire qu'il est prêt à toute éventualité. Il fait une même cause à pas au ciel, donc si bien fait aller, mais après il dit si pour en aller. Donc est-ce qu'il nous pire direct vers les élections générales ou alors vous pensez qu'il... Moi, en mon âme et conscience, je me trouvais Premier ministre, bien appelle les urnes, bien voter, parce que nous-mêmes au sein de la ville, nous demandons l'élection municipale depuis plusieurs années, il n'est pas fini de nous. Donc là, dans la logique des choses, pour le fonctionnement de la démocratie. Il bisait dans l'élection générale. Et de toute façon, il dit pour faire ça. Parce que, maintenant, c'est arrivé avec l'épisode Lachmina Raidou, quand il s'est révoqué. Il finit déclare partiel, il finit annonce ce candidat. Il finit qu'il y a une date partiel, tout. Mais c'est moi, et là, il finit dissous de l'Assemblée, nous avons direct l'élection générale. Mm-hmm. C'est non, là, il vous paraît, parce que, malheureusement pour le Premier ministre, malheureusement pour MSM, vous n'avez plus contrôle. Calendrier électoral après la démission de Vikram Erdogan. Donc, merci. Pour moi, c'est un bouffée d'esprit pour la démocratie qui nous pourra dans l'élection générale dans quelques mois. Merci beaucoup, Kouchal Lobine, pour l'intervention. Alors, nous attendons Vikram Erdogan une première réaction. Donc, nous espérons jusqu'à la fin de cette émission, nous gagner donc, pour intervenir. Alors, Chakloumane Talanou, tu peux cause. Fragilisé, là, c'est vraiment une crevasse qui peut créer, finalement. Quand on regarde sa décision de Vikram Erdogan de partir, mais en même temps, avec tout le scandale qu'il y a derrière, tout ça pourrait monter à la surface, à ce moment-là. Non, mais tout pourrait monter à la surface. Vous connaissez, Mauricien, je fais une montre et très patient. Vous connaissez, et moi, capable de dire quelque chose, c'est que c'est quelqu'un qui fait une montrer lui extrêmement déconnecté avec la population, c'est Pravin Jagnat. Mais il y a une affaire qui, par contre, n'est pas totalement ignorant. Quand ou un président parti, Dieu le Jonga, vient dire que M. Erdogan est toujours membre du parti. Et que le Premier ministre aujourd'hui vient dire que M. Erdogan, jusqu'ici, pendant qu'il peut causer, il est encore membre du parti. Ça veut dire qu'il... S'il y a plus qu'une reprise, deux reprises, trois reprises, maintenant, cause ça, je montrez-vous qui, pour autres, je ne finis transparent d'une certaine manière, du moins là, pour démontrer qui nous connaît qui notre faiblesse était. Notre faiblesse, Mais finit là aussi, ben propos qui disait que le Premier ministre voulait court-circuit Vikram Erdogan parce qu'il donne son démission hier. Mais vous connaissez, pour moi, mon pénal information. Ou palable qui Premier ministre est là, pour moi, la seule chose, c'est que un Premier ministre, Libizin, agit dans l'intérêt de la population. Un chef de l'exécutif, chef du cabinet ministériel, Libizin, agit dans l'intérêt de la population, et non pas de ce, d'intérêt ce parti. C'est ça toute la différence entre un leader politique et un chef d'État. Pravin Jagnat, c'est un leader politique. Ce n'est pas un chef d'État. Quand on est chef d'État... on sacrifie même le pouvoir politique de son parti. C'est ça là, toute la différence. Et la leçon qu'il nous apprend de ce qui nous peut vivre en ce moment-ci, c'est que la jeunesse de ce pays, Bizin, comprend maintenant qu'il est temps qu'il nous gagne un réveil. Un réveil quand la population, les jeunes, commencent à comprendre qu'il est temps qu'ils se déboutent et qu'ils se la guerre pour une cause. Assez avec un discours creux, assez avec sa mythe, comment Kouchal peut dire, de 4 à 14, parce que le concept de 4 à 14 est totalement faux. Aujourd'hui, le gouvernement amène de l'avant la République indienne maudite pour se servir de
Premier ministre Modi pour se refaire une santé politique. C'est tout ce qui reste à ce gouvernement-là de faire. Mais il ne dit pas pour capable qu'assiette les scandales, les allégations, les meurtres, les trafics, la corruption, l'éducation qui ne fait faillite, les prix qui peut continuer à augmenter, la misère qui peut augmenter. Il n'est pas pour capable qu'assiette ce promesse cassée envers Ban Ki-moon, troisième âge. Il s'y dit, tout le monde pour gagner une augmentation de pension. Mais finalement, les fins ne donnent que ceux qui ont plus de 75 ans. Ça manque de paroles là. Les poupées, ça cache. Mais j'ai envie de réaction à ce que demande l'internaute peut dire. Si le Premier ministre, donc en Côte d'Ivoire, peut dire qu'il y fait partie, Victor Mandela fait partie de ce parti, donc du MSM, pourquoi il part simplement faire un remaniement ministériel dans lequel il évince Vikram Loyal, pas besoin de passer par une révocation? Est-ce qu'il comprend cette logique? Moi, je comprends la logique, parce qu'au fait, il est capable de noyer le poisson. Pas tu peux paraître qu'il fait une target qui ken. Mais au fait, il fait. Vous connaissez ce qui est arrivé, c'est que when you run around like a headless chicken, this is ce qui Pravin Jagnat in fait. Il peut galoper dans la basse-cour, gauche-droite, métaillé, il ne peut pas connaître quelle direction pour prendre parce que n'a pas de coup de vent. Alors, il n'est pas fini dans la stratégie, il n'est pas fini dans un calme dans la façon qu'il fait les choses, mais il finit agir de façon instinctive pour se sauver la peau. C'est ce qu'il nous finit trouver. Et aujourd'hui, vous connaissez combien de gens frustrés au sein du gouvernement. Guette par exemple, monsieur Salim Abbas Mahmoud. Tout le monde connaît les types en vivine, au moins PPS et au moins ministre. Ça aussi, non. Monsieur Nakchedi. Tout le monde connaît l'Ichpé en vivre ministre de l'agro-industrie. Ça aussi, non. Ou quoi, aujourd'hui, qui ça pas pour fragiliser le leadership même de Pravin Jagnat? Bien sûr que ça l'est. Vous connaissez, arrive un moment dans la vie quand nous, on connaît qui vous perd une défaite. Et il y a une affaire qui finit démontrer qu'il peut faire une erreur de débutant. Quand il vient dire, par exemple, et c'est ça pour moi le mensonge politique, il dit que l'opposition ne me fait pas peur. C'est la presse qui m'obanne adversaire. C'est faux, en fait. L'opposition le fait peur. Ça, c'est une vérité. Et l'hyperode tourne ça pour de nous perceptions qu'il dit il faut. L'autre affaire qu'il dit, il paraît à toute éventualité, si jamais M. Erdoyal démissionnait. Encore une fois, faux. Il n'est pas prêt à cette, il n'était pas prêt à cette éventualité. Parce que s'il était prêt à cette éventualité, il était parti pour tomber un deal derrière nous les deux avec M. Erdoyal. Mais M. Erdoyal fin call his bluff. Et à ce là moi, me dis, si vraiment Pravin Jagnat te peut dire nous qu'il te prêt à toute éventualité, I challenge you now, en direct. Donne partiel tout de suite. Donne partiel là tout de suite si te parais à toute éventualité. Vous connaissez, je peux apprendre ça, comment dire, un mantra. Je peux apprendre ça, là, par cœur. Je peux venir répéter. Nous paraît à toute éventualité, nous avons un bilan. Sorry. Vous connaissez, quand la population en a marre, et c'est fait. Les carottes sont cuites. Une autre question pour Shakil Mohamed. Ce n'est pas une coïncidence, carottes-là, orange. Hein? Est-ce qu'il est donc, Vikram Loyal, les caravanes assettent pour l'opposition? Vikram Loyal, il y a une asset pour la philosophie politique. Oubliez l'opposition pour un moment. Vous connaissez, sorry, mais pas pour à chaque fois bien mettre de l'avant l'opposition. Le système politique, la nouvelle génération, bien apprendre de ce qu'il fait faire. Nous pas capables de laisser ça, passer ça sous silence ou réduire l'importance de ce qu'il fait faire, Jean-Luc. L'énorme, c'est ce qu'il fait faire. Il fait dire à un premier ministre « Go to hell ». I am resigning because dignity is more important than anything else. I believe in a cause and not in my self-interest. C'est ça qu'il finit dire, le Premier ministre. Et combien de gens dit dans ce gouvernement-là, capable et n'a le courage, la dignité, l'honnêteté, la force de conviction de dire cela? Combien? Et je peux cause ça pour tout le monde dans le gouvernement, tant de moi clair. Je pas là, je pas pour l'ennemi. Mais parmi eux, je finis un frère qui finit mort ensemble aux autres depuis l'élection, finit vini et je finis mort l'armée dans la main. Est-ce que c'est comme ça ou d'accord pour traiter un Jimoun qui was recently your brother? Comme ça qu'il traite lui? Si finit faire ça avec M. Erdoyal, qui va pour faire où, divan?
Alors, chaque moment, quand on écoute causer là, on me trouve opposition tranchée avec beaucoup de travailleurs qui viennent prendre. Prend position ces derniers jours. La Vénéra Moulam finance Roche aussi pour dire qu'il c'est la dignité, il vient aller. Le film trouve le réseau social, c'est un membre du PTR qui fin, accuse donc Vikram Adeyal de tous les noms. Est-ce qu'ils ont dit le fait qu'il ait démissionné, il vient un allié direct pour eux, alors qu'il avant sa démission, révocation comme ministre. Vous connaissez, à aucun moment pour moi, M. Adeyal partient de l'ennemi. La preuve, c'est que nous finissons tout le temps une très bonne relation. Et moi encore, une très bonne relation avec beaucoup de monde qui sont au gouvernement. Aucun adversaire politique, pas un ennemi. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, est-ce nous que nous, écrit parfois, nous comptons faire semblant qu'il ne pas faire politique. Est-ce que, oui ou non, ce démission amène du de vent l'eau. Dans les voiles de l'opposition. De l'opposition? Bien sûr que oui. Est-ce que la façon que le Premier ministre finit traite lit, démontrez-nous que cela est aux avantages de l'opposition. Oui. Est-ce qu'on doit prendre avantage de ça? Il faut être bête pour ne pas prendre avantage de ça. Donc ça veut dire on est dans la politique. Dans le premier ministre, vous avez le même podium et coup. Pourquoi? Pas. Pourquoi est-ce qu'il doit être mot pas trouvé? Un ne veut pas dire l'autre. Est-ce que ce qui finit arriver, est-ce qu'il est grave pour le gouvernement? Oui. Est-ce que nécessairement ça veut dire que Victor Maradéal doit être avec nous? Non. Mais par contre, est-ce qu'on doit le féliciter pour ce qu'il a fait? Tout à fait. Moi, je dis Owens a fait, depuis bien longtemps, pas de gagne du monde qui finit de donner rideau blason à la politique. Vikram Adeyal, c'est done it. Et je pense qu'il pendant un moment, nous devons reconnaître cela. Lui fin challenge le Premier ministre in his soul. Et aujourd'hui, le Premier ministre, devant un parter, comme on peut causer ou là, il devons débattre pour expliquer qu'il n'arrivait, qu'il n'est pas arrivé. Mais qui fait lui pour expliquer là et qui fait lui pas rester tranquille là? Monsieur Adeyal pas une cause dans l'escalier. Mais vous pouvez trouver là, il peut débattre pour une, comment dire, the Dirty Tricks Committee, pour comment se travaille, pour guetter un coup de comment salir Monsieur Adeyal. Ça aussi pour une. Il y a un régional numéro 9, un régional élargi ce soir, donc vous pouvez une réaction encore du Premier ministre sûrement après cette démission. Chakmal, merci beaucoup pour présence sur le plateau. Donc nous finissons suivre tout cela ensemble en fil rouge. Voilà, c'est ici que prend fin cette émission. Merci de faire suivi. Merci à nous invité Olivier Thomas qui est avec nous. Merci à Shafik Ousmane qui est par Zoom. Donc Radesh Bhagwan et bien sûr l'autre invité Kouchal Lobine qui est là pour ce bonne réaction. L'actualité politique finit évoluer cet après-midi. Me rappelle donc que Vikram Adeyal finit démissionner comme membre de l'Assemblée nationale. Merci à la régie technique, donc toutes les informations à suivre sur nos différentes plateformes, mais bien sûr dans nos différents points d'info. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info.